Lève-nous prier le psaume. Nous lisons le psaume 110. Psaume 110, nous la parole de Dieu. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple
est saint et plein d'ardeur, quand tu rassembles ton armée, avec des ornements sacrés, disait de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'agirait, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière des Melchisedec. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il y brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il y boit au taureau pendant la marche. C'est pourquoi il élève la tête. Amen. Il est le même. Il est le même. Il est le même aujourd'hui, Jésus-Christ. Il est le même. Dieu Tout-Puissant. Il est le même. N'a pas changé. Il est le même. Aujourd'hui, le Dieu d'Abraham. Il est le même. Le Dieu d'Isaac. Il est le même. N'a pas changé. Il est le même. Dieu des prophètes. Il est le même. Dieu des apôtres. N'a pas changé, mais aujourd'hui, le roi des rois, le Dieu des dieux, n'a pas changé, c'est lui qui est, qui était, qui vient, pas changé, il est le même, aujourd'hui, il est le même, il est le même. Il est le même aujourd'hui. Tu es le même, notre Père et notre Dieu. Tu ne changes point. C'est pour cela que nous attachons à toi. C'est pour cela que nous sommes rassurés, Seigneur, étant sûrs et certains de ce que tu es. Parce que ce que tu es, c'est ce que tu dis, Seigneur. Et ce que tu dis, c'est ce que tu es, mon Sauveur. Nous te remercions vraiment pour cet encouragement, pour cette assurance et certitude, Père, que tu as placé dans nos cœurs, mon roi. C'est pourquoi nous prions sincèrement, bien-aimé Père Saint, parce que nous savons que tu as dit que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, mon Sauveur. Ah, nous sommes vraiment privilégiés, Père, oh Dieu, et dans la joie encore ce matin d'être rassemblés dans ces lieux. Oh, notre Dieu, comme Salomon en ce jour-là pourrait te prier, mais quelle maison pourrait être bâtie? Parce que les cieux des cieux ne peuvent te contenir, ô notre Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Tu es vraiment le Dieu très haut. Merci encore pour ce que tu fais de nous, Père Dieu. Tu t'es vraiment humilié à baisser, Seigneur. Oh, que ton saint nom soit béni. Merci pour le sang précieux versé à Golgotha. Oh Dieu, nous en sommes bénéficiaires, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Je te suis reconnaissant ce matin, Seigneur. Oh Dieu, pour ta gloire encore que tu as manifestée, Père Tibissant, à notre endroit. Merci pour les chants et cantiques, mon Père, d'avoir inspiré notre précieux frère, Seigneur. Nous te remercions pour cela. Nous sommes heureux de pouvoir réellement être là pour chanter pour ta gloire, de voir ta main puissante agir encore aujourd'hui, Père. Nous sommes confiants en toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et nous sommes vraiment sûrs et certains que tu es le Dieu que nous servons et que tu agiras encore davantage, mon roi. Nous ne manquons de rien, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Te demandons seulement la grâce de vivre encore davantage en nous, Seigneur, d'agir comme tu le veux, Père Saint-Dieu. Merci encore pour ta bonté, Seigneur. Merci encore pour ton amour. Nous pensons à tous nos précieux frères et sœurs là où ils sont. Aujourd'hui, Père Tout-Puissant, Dieu, à chaque endroit, à chaque lieu où se trouve, bien-aimé Père, oh Dieu, mais qui sont aussi connectés en ces lieux, qui soient vraiment bénis, Seigneur. Merci pour ces hommes et femmes que tu attires encore aujourd'hui, bien-aimé Père, Saint Dieu, et qui désirent davantage, Père Tout-Puissant, te connaître, Père, oh Dieu, parce que le monde s'en va à la perdition. Il s'en va déjà, mon bien-aimé Père, Saint Dieu. Nous te remercions de nous avoir tirés de cela, mon bien-aimé, pour que nous puissions nous tenir encore à l'écart, Seigneur, et te servir, toi, le Dieu très haut. Seigneur, combien tu es merveilleux, Seigneur. Oh, combien tu es glorieux. Mon bien-aimé Père Tout-Puissant, c'est vraiment une grâce, un privilège merveilleux, Seigneur, que parfois nous ne nous rendons pas compte, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. Toi, le Dieu très haut, tu es souvenu de chacun de nous, Père Saint-Dieu, et nous a mis à part, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour que sur la terre, nous puissions te glorifier, Seigneur. Quelle gloire et quel bonheur, Seigneur. Sois béni pour cela. Merci pour ton amour à notre endroit. Merci vraiment pour l'échange des cantiques. Merci pour le psaume. Merci réellement aussi pour l'adoration, pour les enfants qui ont chanté en cet endroit. Oh, que tu les bénisses richement, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Qu'ils soient soutenus et fortifiés, Père, pour chaque frère et chaque sœur, bien-aimé Père Tout-Puissant, qui a parcouru les kilomètres de celui-là jusqu'à cet endroit. Mon Dieu, récompense chacun d'eux, Père.
Nous te disons merci pour ton amour et ta bonté, ta grâce. Béni soit ton Seigneur encore maintenant, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous rendons gloire et honneur à notre Dieu pour ses compassions et sa bonté aussi, ainsi que sa patience à notre endroit. Et comme il est écrit dans les Saintes Écritures que le Seigneur notre Dieu ne tarde pas l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience envers nous, afin qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent donc à la repentance. Il est bon, notre Dieu, il est vraiment merveilleux, parce que c'est vraiment une grâce que la repentance soit accordée aux hommes, pour qu'ils puissent arriver à pouvoir connaître Dieu et aussi marcher avec ce Dieu pendant le temps de leur pèlerinage. Je crois que vous pouvez vous souvenir que lorsque Pierre, l'apôtre Pierre, est allé donc chez Corneille et qu'il a eu à pouvoir aussi leur donner ce que le Seigneur avait mis sur son cœur, effectivement. Et là, le Saint-Esprit est descendu, effectivement, là. Et le Seigneur a pu agir d'une manière particulière au milieu d'eux. C'est ainsi qu'il a été conduit donc à pouvoir le baptiser aussi au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et quand il sortit de cet endroit, effectivement, chez Corneille, beaucoup de ceux qui étaient croyants aussi se sont donc approchés pour pouvoir en fait lui faire des remarques en disant « Comment cela se fait-il que tu puisses entrer effectivement dans la maison d'un païen, d'un nom ?» Un païen, effectivement, comme vous le savez, qu'effectivement, qui était donc interdit donc aux Juifs de pouvoir entrer dans la maison des païens. Et c'est ainsi qu'il leur rendit témoignage de la manière dont les choses ont été, parce que lui aussi, il était dans cette pensée-là, de pouvoir arriver à pouvoir se dire, évidemment, qu'on ne peut pas avoir accès dans la maison des païens, on ne peut pas entrer, parce que si on rentre dans la maison d'un païen, nous sommes donc souillés. Il a eu à pouvoir faire ses déclarations à tous ses frères qui étaient là, effectivement, qui le reprenaient de ce qu'il a eu à pouvoir poser un acte comme celui-là. Il dit, évidemment, il dit, mais voilà ce qui s'est donc passé, et vous vous souvenez de cela, effectivement, j'étais là, là sur le toit, et j'attendais quelque chose qui doit être préparé pour que je puisse manger. C'est ainsi que j'ai vu donc une nappe qui descendait donc du ciel, effectivement, avec les quadrupèdes, effectivement, toutes les bêtes et aussi impures qu'on ne pouvait même pas suivre, qu'on ne pouvait même pas arriver à pouvoir ni toucher, ni manger, interdit donc par la parole de Dieu ainsi. Alors, je pense qu'il faut toi te le fixer quelque part ou le mettre ainsi pour ne pas trop que... Oui, mon frère, le ventilateur, merci mon frère. Si ça peut, oui, d'une certaine manière ou d'une autre, merci beaucoup. Alors, il leur expliqua qu'effectivement, que c'est ainsi que donc cette nappe descendit effectivement dans les cieux, non seulement une fois, non seulement deux fois, mais là, j'ai pu voir qu'il y avait tous les animaux qui nous étaient donc interdits, effectivement. Donc. Et alors, j'ai entendu du ciel, j'ai entendu cette voix qui venait vers moi, qui me dit, « Lève-toi, tue donc et mange. » Alors j'ai dit, Seigneur, depuis donc ma jeunesse, je n'ai jamais ni touché ni mangé rien d'impur de ce genre de choses-là, parce que nous étions donc interdits de pouvoir arriver à pouvoir y toucher, y manger, parce que tu touches, tu es souillé, effectivement. Et c'était quelque chose que le peuple d'Israël devait respecter. Lui, c'est ce que j'ai fait. J'ai crié, j'ai dit, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé. J'ai dit, bien, Seigneur, et puis ça revient encore, et puis j'entends la voix qui dit, maintenant, ce que moi, j'ai déclaré comme pur, et toi, ne déclare, ne le garde pas comme étant, donc, souillé. Et puis, deuxième fois, troisième fois, donc, est-ce que cette voix-là qui dit effectivement cela, alors, c'est à ce moment-là que le Seigneur me fait part, effectivement, qu'il y a des gens qui sont venus pour pouvoir te chercher. N'hésite donc pas, va avec eux. Il a dit, j'ai descendu donc, tu trouveras ces personnes-là qui étaient là, et qui étaient donc envoyées donc par Corneille, donc un Romain, donc un païen, donc qui n'était pas un Juif.
Alors, il me racontait effectivement ce qui s'est passé. Donc, il dit, voilà, j'avais effectivement Corneille prié. Et puis, bon, c'était un homme dont on rendait des témoignages, effectivement, qui était un homme qui craignait Dieu, évidemment. Il faisait des aumônes et puis il priait. Et ce qui est merveilleux, c'est que pendant donc il priait, alors, il vit un ange du Seigneur qui veut, qui dit, Corneille, tes prières et tes aumônes sont donc montées à Dieu et Dieu s'est donc souvenu. C'est merveilleux ça. Voici donc, je suis envoyé de la face de Dieu pour pouvoir te dire. Il faut que tu cherches dans cette ville un homme nommé Pierre. Donc Simon, donc il est logé, c'est Simon le croyeur effectivement. Et quand il viendra, il te dira les choses par lesquelles toi et toute ta maison, vous serez donc sauvés. C'est dans les Actes au chapitre 11. Et alors, il dit, lorsque je les ai vus, effectivement, je n'ai pas hésité. Je me suis empressé, donc je les ai suivis. Il racontait ça, c'est vrai. Et voilà que je suis donc arrivé, j'ai trouvé Corneille qui était là, mais il avait rassemblé tous ceux qu'il aimait, donc ses amis, sa famille, tout cela était donc dans la pièce. Je suis arrivé sur le seuil, évidemment aussi, il m'a ouvert la porte, il m'a fait entrer. Je lui dis une chose, j'ai dit, tu sais bien qu'il est interdit à un juif d'entrer et d'avoir cette communion avec un païen. Mais Dieu m'a appris de ne point regarder. Ah oui. Donc c'est là qu'il a l'air à faire comprendre. Mais voyez-vous, c'est ça que Dieu m'a fait comprendre, que maintenant je ne peux pas les regarder comme souillés ou impurs. Et puis d'abord, je suis donc rentré, et à ce moment-là, je lui ai simplement parlé, porté la parole de Dieu, et ainsi de suite. Et lorsque je prononça cette parole, effectivement, que tous les prophètes ont rendu témoignage, que quiconque croit en lui, reçoit donc par son nom, donc le pardon donc de ses péchés. Et cela a touché tout le peuple, tout ceux-là qui étaient assis dans la maison de Corneille, leur cœur était vraiment aussi touché. Et c'est ainsi que, comme il nous était aussi arrivé aussi, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme à nous à ce moment-là. Alors ils pouvaient, pour l'exemple, pouvais-je moi résister ou refuser de les baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, après avoir vu effectivement ce qui s'est passé, ils ont reçu donc le même baptême du Saint-Esprit qu'à nous. C'est ainsi qu'ils dirent, le frère me dit, « Oh, Dieu a donc accordé la repentance aux hommes afin qu'ils soient donc aussi sauvés. » Voyez-vous, c'est quelque chose de tellement important de réaliser que la repentance est vraiment importante dans la vie ou dans la marche d'un chrétien, un croyant. Vous remarquerez très bien que dans les Actes au chapitre 2, quand ils ont entendu la parole de Dieu, leur cœur était vivement touché. Et il dit à Pierre, aux autres apôtres, il dit, mais hommes, frères, que ferons-nous? Voyez-vous, Pierre leur dit, repentez-vous. La repentance est importante aux yeux. Vous ne pouvez pas avoir accès aux choses de Dieu sans repentance. Vous ne pouvez pas vivre comme vous vivez là, en train d'insulter un frère, de faire comme si pour un frère, sans avoir à se repentir. Vous savez, c'est pas les choses de Dieu, c'est pas comme bon, on a oublié, bon, j'ai fait, et puis bon, le frère pardonnera. Nous, messieurs, il doit y avoir la repentance. La repentance veut dire que c'est le regret sincère de ce que vous avez fait. Si j'ai manqué à quelqu'un, c'est toi. Vous savez, vous vous souvenez, dans les Saintes Écritures, nous lisons aussi
que le Seigneur nous dit que si vous ne pardonnez pas aux hommes, et ça, c'est quelque chose de très important. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, à ceux qui vous ont offensé. J'aime beaucoup Dieu, il est sage. Frères et sœurs, Dieu n'est pas votre copain. Dieu n'est pas un instrument que vous pouvez utiliser, dire, il est à moi, il est mon Dieu, et vous continuez à pouvoir vivre comme des chiens, comme des porcs, agir à l'endroit des êtres comme si c'était des hommes méprisables, et que vous vous donnez des valeurs, que vous vous asseyez, vous dites que moi je vais au ciel, mais c'est dans l'enfer que vous allez directement. Oui monsieur, oui madame, ne dites jamais Seigneur, nous n'avons jamais entendu cela. Dieu, si vous, Dieu ne fait point exception de personne. Donc il était tellement important pour nous de pouvoir comprendre les choses qui sont nécessaires que Dieu nous donne. Parce que Dieu ne peut pas perdre son temps avec des chiens et des porcs, effectivement, avec des chèvres. Non, messieurs. Dieu n'a jamais demandé qu'on puisse paître des chèvres. Ces chèvres se révoltent tout le temps, ils se disent qu'ils ont le droit. Dieu a toujours demandé que, de voir paître ses brebis. J'espère et je pense que chacun de nous ici est conscient que quand le Seigneur utilise un terme, il sait ce qu'il dit. Une brebis, comme un agneau, vous savez très bien, là, il ne réplique jamais. J'ai eu l'expérience moi-même, je vous l'ai dit l'autre fois, il y a longtemps de cela, quand j'étais invité en Jamaïque, je suis parti là-bas, bon, ils m'ont reçu aussi, on était tellement dans la joie, j'ai apporté la parole de Dieu, vous le savez, ainsi de suite. Et là, il y avait en fait une brebis quelque part, qui, on voulait effectivement, ils voulaient nous offrir effectivement, tuer cette personne qui était donc là-bas. Alors, moi, de mes propres yeux, j'ai vu. Que nous sommes allés là-bas, on a choisi cette brebis. C'était un agneau, une brebis qui était là. Et j'ai vu de mes yeux, parce que j'ai déjà vu aussi la chair. Comment, quand vous me suivez, amen. Quand on cherche à pouvoir tuer une chèvre, vous voyez la chèvre, comment elle se débat. Elle va fuir, elle voudrait même pouvoir maintenant, elle se bat avec les cornes, effectivement. Oui, vous avez déjà vu ça. Et moi, j'ai vu aussi quand on voulait attraper une brebis pour pouvoir la tuer. J'ai vu les débuts, on a saisi la brebis. On est sorti avec, parce qu'on avait pris quelqu'un qui est un expert pour bien couper. J'ai suivi la personne, je regardais. Je voulais voir effectivement comment la brebis allait réagir. Je regardais. Le monsieur a pris cette brebis. Il l'a tenue comme ça. Il a mis par terre, il a lié ses pattes, effectivement, la brebis de mes yeux, elle ne bougeait pas. J'ai dit, c'est pas possible. Mes yeux à moi, moi-même ici, pas quelqu'un m'a dit, bon, je voyais. Donc on la tient, on lit là, on lit ici, effectivement, elle ne bougeait pas. Ça, c'est ce que je vous dis est vrai. Maintenant, la phase qui était tellement extraordinairement difficile que j'ai dit, mais maintenant on va voir. Prenez, par exemple, n'importe quelle bête, effectivement, essayez de prendre le couteau pour la tuer. Vous allez voir comment elle va se débattre. Il peut même vous blesser. Mais quand le monsieur a pris son couteau, il a fait cha-cha-cha-cha-cha, il prit ses mains, oui, c'est vrai, il prit effectivement la brebis, il pousse ses mains comme ça à sa tête. La brebis ne bougeait pas. Il prend le couteau, j'étais présent, moi. Il prend le couteau, il met à la gauche, il commence à couper, la brebis ne bougeait pas. Il a coupé, la brebis ne se débattait pas. Couper, 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 le sang giglait, la brebis n'a pas bougé, jusqu'à ce que tout son sang est sorti et qu'il a pris, mais l'a pendu sans bouger. J'ai appris une leçon. J'ai dit, c'est extraordinaire. Quand Dieu nous compare aux brebis, pas au bouc, effectivement, il a raison. Ah oui, 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 mon frère, il a raison, il a raison, il a raison. Non. Parce que chacun de nous, si nous sommes réellement, il y a cette nature, effectivement. Regardez, frères et sœurs, et ça, c'est quand même étonnant, cela me vient. Regardez bien, quand vous me suivez, frère, parce que il faut que notre vie change. On ne doit pas tout le temps revenir avec vous comme des gamins, des gamines, vous appeler pour des choses inutiles, effectivement. Il faut que les choses trouvent, enfin, il faut qu'on avance, frère et sœurs. Dans nos foyers, dans notre famille, il faut absolument que les choses changent. Ce n'est pas un lieu pour pouvoir jouer, hein. Frère, parce que ça va vous coûter cher. Un jour, bien sûr.
Bien sûr, vous ne direz pas que nous ne savons pas, mais regardez un exemple que je vous donne, mon ami. Quand le Seigneur a parlé à Abraham pour qu'il prenne son fils Isaac, ils sont montés jusqu'à là-bas. Vous avez remarqué une chose? Quand Abraham a parlé, quand Isaac lui a posé la question, « Mais Père, nous allons pour offrir le holocauste à Dieu. Mais où est donc cet agneau pour le holocauste ?» Abraham lui répondit donc, par Dieu, il dit, « Mes fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'holocauste. » Vous vous souvenez? Ils sont partis, ils sont arrivés à l'endroit, ils regardent, il n'y a pas l'holocauste que papa a dit, mais ils voient papa qui vient avec les cordes. Qu'on lit en fait les agneaux, tout ça, parce que je crois que s'il va, il est déjà allé avec son père, puisqu'il pose la question, mais où est l'agneau? C'est que quand même, le papa a toujours été aussi avec son fils. Vous vous souvenez? Donc le fiston a eu à pouvoir regarder comment ces agneaux-là pouvaient réagir effectivement. Donc on l'attrape, et puis on le lit effectivement, on le met, et quand papa coupe la gorge, ça ne bouge pas. Faites l'expérience. Et le petit, regardez, alors, papa a dit, Dieu se pourvoira, il a confiance en son père, et puis il arrive là, il voit le papa qui prend la corde. Parce qu'il dit, mais c'est facile les couteaux, voici le feu, et tout ça, mais bon, ben, où est l'agneau? Eh ben, et papa dit, Dieu va se pourvoir. Il a confiance en son père. Et le papa avance avec le petit. Et là, le bois est là, effectivement, bien étalé, effectivement, et le feu est là. Et papa, sans rien dire, hein, il prend simplement son fils debout. Il commence à pouvoir lier. Ah oui. Ah oui. Et alors maintenant, il les lit effectivement, et les mains et les pieds effectivement, et puis papa prend le petit. Vous me suivez? Il étale là sur le bois. Pouvez-vous imaginer quelle réaction l'enfant pouvait avoir? Parce qu'il a bien compris. C'est ça. Si c'était toi et moi. Parce que dans ces temps où nous sommes, vous tous frères et sœurs, vous revendiquez trop vos droits. Moi, mon mari n'a pas fait ceci, ma femme n'a pas fait ceci, on me fait ceci, on me fait cela, les frères ne comprennent pas, la sœur ne comprend pas, à l'assemblée on ne m'aime pas, et ceci et cela, parce qu'on ne m'aime pas. Vous êtes comme ça, hein? Parce qu'on ne m'aime pas, moi je ne veux pas ceci, et vous vous dites, vous êtes des chrétiens, quoi. Assis là, chacun de vous, vous êtes des individus, en fait, individus chacun séparés. Et vous dites que nous sommes des croyants, que nous aimons le Seigneur, que nous aimons les frères et sœurs. Frères et sœurs, moi je vous pose la question de pouvoir savoir dans quel ciel vous voulez aller. Dans quel ciel vous voulez aller? Dans quelle direction vous voulez aller? Vous ne direz pas, Seigneur, nous ne savions pas, nous n'entendions pas, mais Seigneur, je dis, mais je vous pose la question, dans quel ciel vous allez? Ou, alors, nous continuons parce que nous allons rentrer dans le livre des Hébreux. Et regardez très bien. Cet enfant n'a pas réagi. Alors, vous savez, il y a beaucoup de leçons. Vos papas, vos mamans, qui vous, votre enfant, vous, est le plus beau et le plus meilleur. Et quand on entend comment vous parlez de votre enfant, c'est comme si c'était un dieu sur terre. C'est ça ce que vous êtes. Mais c'est vrai, vous mentez. Si vous ne dites pas que c'est vrai, mais vous mentez. Vous êtes comme ça, qu'on touche à votre enfant. Seulement vous, ça, c'est comme si on vous enlevait tout l'honneur dans votre corps. Et vous venez pour dire, gloire à Dieu, alléluia, Seigneur, je t'ai donné ma vie. C'est comme ça, vous êtes, non? Vous jouez à la comédie pour vous-même, hein? C'est sûr et certain, mais vous le payerez. Parce que c'est sûr et certain, vous payerez, ça c'est sûr. Là, n'oubliez pas, vous pouvez même l'écrire quelque part, et même au-dessus de votre cercueil, on va vous dire, Vendôme, si comme vous n'avez pas mis le genou, vous payerez. Vous allez payer. Moi, j'ai des chanteurs, les gens qui font, vous savez que RIP. Vous savez, c'est RIP, c'est que nanana. Hein? Rest in peace. Moi, j'ai dit, non, you don't rest in peace, you rest in trouble. Ça veut dire repose en paix. Qui, toi, sur cette tête, tu n'as pas fait les choses qu'il fallait. Tu as laissé les troubles dans les familles, chez des frères, chez des sœurs et tout ça. Vous comprenez, frère, tu dois faire attention. Hein? Tu n'as rien arrangé avec tout ça. Tu as débattu les troubles partout. Quand tu passais, c'était des insultes. Quand tu passais, tu critiquais tout le monde, effectivement. Et tu es maintenant couché là dans le cercueil. On dit reste en paix. Repose en paix. Dans quelle paix? Mais non, tu es une femme de troubles. Tu es un homme de troubles. Eh bien, les troubles vont te suivre. On dit, mais les œuvres le suivront. C'est ce que tu as. Bien sûr, non. C'est pas ta mort qui va changer. Hein. Oh, voulez-vous que je vous montre un petit tableau? Vous connaissez le prophète Samuel.
Vous vous souvenez quand nous avons lu avec l'Urim et Thummim, vous vous souvenez? Ah, Samuel est parti, n'est-ce pas? Samuel, il a même dit, avant de partir, il dit, mais je veux, il a rassemblé le peuple d'Israël. Il dit, je veux que quelqu'un parmi vous me dise le mal que je lui ai fait. Je lui ai mangé, oui, je lui ai mangé son troupeau, mais quand j'ai pris, personne dit, non, tu l'as fait. Donc cet homme a laissé la paix. Il est parti. Un prophète, il est parti. Voyez-vous, quand ces démons, ces sorciers-là commençaient à invoquer, effectivement, et quand il est monté, vous vous souvenez quand même, non? On lui a posé la question, mais qui est-ce qui monte? Qu'est-ce que je vois? Alors, il n'a pas dit que je vois un fou, je vois un malade qui vient. Non. Parce que si on fait monter quelqu'un qui est mort dans les troubles, mais il ramène la folie. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on a parlé effectivement de lui, quand on a dit, mais on pose, mais qui est-il? Il dit, mais je vois qui c'est, un Dieu. Donc sur la terre, il était un Dieu. Bien sûr, monsieur. Il est parti, il revient. On l'invoque effectivement, il est un Dieu. Parce qu'il dit, mais pourquoi tu m'as dérangé dans mon rêve? Vous vous souvenez? Et puis il dit, oh, j'ai cherché l'Éternel par les rimes, il ne répond pas. Par les prophètes, il ne répond pas. Vous comprenez, vous connaissez, non? Par les choses, il répond. Vous connaissez quand même. Il dit, mais je te l'avais. Il dit, mais je te l'avais dit quand j'étais sous la terre. Que tu as abandonné l'Éternel, il t'a abandonné aussi. Et maintenant, qu'est-ce que tu me veux? Ah, oh, mais les Philistins sont là. Cet homme avait toujours les choses de Dieu. Il était prophète, bien sûr, frère. Quand il s'est endormi, il était toujours endormi avec les dons qu'il avait. Donc cette nature-là vous suit. Elle est bien. Et puis il dit, mais oui, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Mais Samuel était déjà décédé. Mais il dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Il dit, moi, ce qui va arriver demain. Il dit, mais oui, mais demain, tu seras ici avec moi. Parce que pourquoi? Parce que les Philistins vont te tuer. Il a prophétisé même ce qui va arriver demain. Oui, c'est écrit dans la Bible, mon frère, ma soeur. Frère, ne jouez pas avec les choses de Dieu. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une comédie. Il faut prendre les choses de Dieu au sérieux. Et vous aussi, soyez sérieux. Non, frère, on regarde les choses à l'extérieur, effectivement, on copie. Vous n'avez pas à copier les choses de l'église à l'extérieur. Frère. Ici, vous avez affaire avec Dieu pour votre salut à vous. Donc, prenez les choses de Dieu au sérieux. Alors, nous revenons avec Abraham. Abraham, il aimait tant son fils, était son joyeux et tout ça. Il a même dit, il était tellement heureux parce qu'il a attendu combien? 25 ans. Voir l'amour qu'il avait, effectivement, l'attente, effectivement, de cet enfant-là que Dieu a eu à pouvoir le prendre. Et il a attendu 25 ans avec foi tous les jours. Oui, monsieur. Oui, madame. Vous savez ce que la Bible dit? Il fut fortifié par la foi. N'est-ce pas vrai? Il ne douta point par incrédulité. Et il y a une pleine confiance, une pleine assurance que celui qui promet, qui avait promis, il était aussi capable de pouvoir aussi l'accomplir. Et c'est vrai. Donc, chaque jour d'Abraham, la foi d'Abraham augmentait. Vous savez, il dit, la Bible dit que, espérant contre toute espérance. Frère, examinez-vous parce que vous ne faites pas des croyants inutiles. Hein, parce que c'est vrai, ça. C'est vrai. Parce que la foi de Dieu ne change pas. Examinez-vous. Parce que vous devez, parce que cette foi-là n'était pas en bas, et puis en haut, et puis quand les épreuves arrivent, effectivement, on ne voit plus le frère, on ne voit plus la sœur. C'est pas normal, ça. Est-ce que vous comprenez? Et il y a des jours où tu viens à l'église, des jours où tu ne viens pas à l'église, et parce que pourquoi tu as des raisons? Parce que les carburants ont augmenté. Mais les carburants ont augmenté, nous tous ici, comment nous venons aussi? Les trains et les trams ne fonctionnent plus. Non, frère, vous n'aimez pas des chrétiens seulement les dimanches. Dieu n'est pas seulement les dimanches. Dieu est tous les jours, mon frère. La Bible nous dit que quand on l'aime tellement, ils étaient tous les jours assidus au temple. Et toi? Et toi? Et toi où tu es tous les jours? Parce que à mon travail, tous les jours, parce que frère et soeur, tout ce que vous faites, vous allez le récolter. Qu'on ne vous trompe pas, mon frère, que tout va passer très bien. Non. Le temps de la grâce, mon frère, vous savez ce que c'est important parce que les gens se disent, oh, Dieu est devenu bonbon comme des beignets. Trompez-vous, frère. Ne trompez-vous, frère. C'est parce que vous ne connaissez pas Dieu. Vous amassez un trésor de colère, hein?
pour les jours de la colère, en fait. Je vous ramène encore, avant de retourner à Abraham, je vous ramène encore pour que vous puissiez vous souvenir que vous jouez trop, mais vous le payerez. Frère, on a trop, on joue trop avec Dieu, on le prend comme un gamin. C'est un manque de respect. Vous prenez trop comme si vous étiez important. De quelle importance, toi, tu en sers? Oh, mais parce que si... Non, tu n'es pas important. Non, 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 tu n'es pas important. Il n'y a qu'un seul qui est important, celui qui t'a donné la vie, en fait. Bien sûr. Regardez ce que les Amalek ont fait à Israël. Quand on vous dit cela, ce n'est pas pour que, oui, c'est la bonne musique qu'on voit, non. C'est pour une leçon aussi. Parce que l'Amalek, avec son peuple, pensait que ça allait passer comme ça, de toute façon, parce qu'ils ont bloqué les chemins, ils ont fait tout. Mais Israël n'a pas répondu. On l'a empêché parce alors qu'elle était sur le chemin de devoir. Et on a dit que, parce qu'ils disaient, bon, parce qu'ils ont vu, il est très bien, parce qu'il ne faut pas que vous puissiez voir Dieu comme vous voulez le voir. Dieu fait comme lui veut que nous puissions voir. Parce que si on voit des Amoriens, il a eu un pouvoir aller contre les enfants d'Israël, il l'a tué. Ma soeur, vous me suivez? Vous me suivez, ma soeur? C'est important, cela. Vous comprenez ça, donc? Si on voit des Amoriens, il a été tué. C'est quand il venait combattre, en fait, il me dit, mais touchez pas mes oins. Vous me suivez tous? Amen. Mais maintenant, quand il est passé, quand le peuple est passé, c'est les Amalécites. Ils ont fait au peuple tout ce qu'ils voulaient. Mais Dieu n'a pas réagi. Il pouvait réagir parce qu'on était là. Comme on a touché, en tout cas, là, allez, au second, on va couper la tête. Mais là, les Amalécites, on va tuer. Maintenant, là, parce qu'ils empêchent le peuple de partir, parce que comme les autres ont péché, et vous me suivez? Amen. Comme les autres rois ont empêché tout ça, ils ont été tués sur place, et les délivrés avec leur peuple, effectivement. Alors, on se disait aussi que, comme ceci, les Amalécites, effectivement, comme ils ont tenté de faire ceci, eh ben, Dieu va tuer aussi. Dieu n'est pas comme vous pensez. C'est pour ça que vous dites, mais pourquoi Dieu ne fait rien? Mais il sait ce qu'il fait. Alléluia. Seigneur, pourquoi c'est pas on est comme ça, on torture, on peut dire, mais Dieu sait faire ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait. Mais dans les temps, tu tuais directement, mais il sait ce qu'il fait. Oui, c'est pour ça que les Amalécites ont dit, oh, de toute façon, c'est Dieu là, il va faire absolument rien. S'il avait fait comme il avait fait, par exemple, avec les Jéricho, tout ça, là, il aurait pu faire encore comme ils avaient fait. Non, il a changé, ce n'est plus le même. Mais non. Il a dit, quand Israël s'est bien installé, pensant que Dieu avait oublié. Ils étaient même en train de voir bien faire leurs dires. Ils menaient maintenant leur vie, hein. Ah, les Amalécites, ils menaient leur vie. Ils étaient vraiment devenus nombreux. Il dit, il a oublié leur Dieu. Ça fait des années. Hein, ça fait vraiment des années. Donc, ça pourrait se passer, dans un mois, deux mois. Mais ça fait des années. Frère, tu penses connaître Dieu, tu ne le connais pas. Et oui, ça fait des années. Mais Dieu n'oublie rien. C'est pour ça, si tu ne te réponds pas de la bonne manière, Dieu n'oublie pas, monsieur. Il te regarde, il est patient. Tu fais la vie, bien sûr. Mais Dieu n'oublie rien. Il te regarde parce qu'il te donne le temps de la repentance, mais une repentance sincère. Et toi, tu penses qu'il est déjà vieux, il ne voit rien, nous sommes au temps de la grâce. Mais c'est dans ce temps ici qu'on dit, mais repentez-vous. Il faut une repentance, effectivement. Bien sûr que oui. C'est pour ça qu'à cet moment, il dit, mais je me souviens de ce que Amalek fit à Israël pendant son chemin. Et voilà, les Amalécites étaient déjà contents, là, ils vivaient déjà nombreux, ainsi de suite, effectivement. Et paf, boum, il dit, lève-toi, toi, il dit, quand tu vas aller là-bas, je t'envoie là-bas avec un autre. Mais là, ça a eu le nom. Parce que je crois que c'est notre frère qui posa donc la question, disant, et je pense qu'il a posé la question, et alors notre frère Daouda a eu à pouvoir lui faire une illustration de cela. Et frère Daouda sait de quoi je parle. Bon, alors il dit, mais lève-toi, va donc chez les Amalécites. Il dit, je veux qu'ils soient tous voués par. C'est-à-dire, c'est là que ça choque beaucoup de gens. Même les nourrissons qui est à la mamelle. Il a bien cité, hein? Nourrissons, mais tout. Il dit, mais voué par interdit. C'est un Dieu d'amour. Mais il faut le connaître. Il est aussi un feu devant. Il est aussi terrible. Vous vous sentez bien dans votre confort terrestre ici.
Et vous, c'est comme, je ne dis pas que vous êtes des exemples, je vous donne un exemple. C'est comme quand l'homme, et ça on a vu, c'est vrai. Il fait son nid là, mais à l'intérieur, en dessous là, il a mis des petites branches de picots comme ça. Mais au-dessus, il a quand même couvert un peu parce qu'il faut bien protéger les œufs. Quand ils vont éclore dans la douceur, effectivement, ainsi de suite. Bon, quand les œufs se sentent bien, effectivement, ils sont tellement dans le confort. Maman va chercher la nourriture, quoi qu'il donne. Puis, à un certain moment, il dit, bon, j'ai fait mon travail. Et vous aussi, vous devez faire le vôtre. Il fait quoi? Il enlève la partie douce, là. Tout d'un coup, kapoum. Et maintenant, ce sont des picots. Vous savez comment on chasse les pigeons qui sont dehors chez nous là-bas, qui mettent là, ils viennent au-dessus en poule, ils s'asseyent là, ils mettent là. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend une planche, on tape des clous, et ça sort comme ça. Maintenant, on met là au-dessus des lampes. Allez-y, voir dehors. Maintenant, le pigeon va venir. Il veut mettre ses pattes, il sent qu'il y a des picots, il va fuir. Il ne restera plus là. C'est pour que... C'était un moment de confort, mais maintenant, c'était un moment de trouble. Les difficultés, effectivement, qui viennent. C'est pour ça, faites bien attention à la manière dont vous considérez les choses de Dieu. C'est absolument important. Ne soyez pas, ah, tout va bien, tout baigne, effectivement, Dieu ne voit rien. Non. Un temps va venir. Oui, monsieur, oui, madame. Alors, c'est comme ça que les temps étaient arrivés que, là, les Amalécites, Saül a été envoyé pour vouer tout par interdit, parce que Dieu s'est souvenu de ce qu'il en était. Nous retournons à Abraham, effectivement, et puis nous revenons dans le livre des Hébreux. Regardez très bien, comme je disais tout à l'heure, vos bébés, vos enfants, tout ça, c'est l'objet de votre amour le plus. Mais vous avez toujours oublié une chose, bien qu'on les lit dans les Saintes Écritures, votre âme, votre esprit, votre intérieur, il est toujours aussi comme cela. Vous savez ce que c'est? Le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'est lui qui aime son fils, sa fille, sa femme, son mari, ses enfants, et tout en tant que là, plus que moi. Vous me suivez? Amen. Frères et sœurs, nous sommes encore loin d'y arriver. Nous pensons que nous sommes arrivés. Nous sommes loin. Parce que tout ce qu'on vous dit ici, quand vous rentrez chez vous, vous ne les mettez pas en pratique. Vous êtes des hypocrites. Des gens qui sont de faux frères, de faux sœurs, en fait, dans la nature, la fausseté est toujours là-bas. Puis quand on vient ici, on donne l'impression qu'on est croyant. Frère, c'est triste, en fait, parce que vous vous trompez vous-même. Il a dit, lui, vous savez, il ne va pas te juger par moi, il va te juger par ça. Tu ne pourras jamais dire, je n'ai jamais entendu, je ne savais pas. Non, il a dit. C'est lui qui aime son fils, qui aime sa fille, qui aime ses enfants, tout ça, ses oncles, ses cousins, tout ça, même son mari, sa femme, tout ça, plus que moi. Il n'est même pas digne de moi. Et c'est lui qui aime aussi sa vie. Ça, on touche aussi à quelque chose qui est aussi important, non? Qui aime sa vie, donc, sa vie, c'est-à-dire que tu t'aimes toi-même. Plus que moi, qui ne tient pas sa croix et ne me suit pas, parce qu'il savait qu'il faut que se charger sa croix et le suivre. C'est écrit, hein? Oui, génial. C'est écrit dans la Bible. Il a dit clairement, eh bien, il n'est pas digne de moi. Si le Seigneur dit que tu n'es pas digne de lui, tu vas aller avec lui au ciel. Mais oui, il ne faut pas changer les scènes d'écriture. Tu n'iras nulle part. Hein? Et si tu n'es pas digne de lui, tu es quoi? Tu es avec qui? Tu dois être avec qui? Mais il n'y a pas un autre chemin. Soit c'est Dieu, soit c'est l'enfer. Donc de votre vivant ici, vous savez, et vous faites semblant que vous ignorez, vous êtes vivant, vous savez que si moi je meurs ici, je ne verrai pas Dieu, je verrai simplement l'enfer. Vous entendez ce que j'ai dit là? Amen. Oui. Donc quand vous êtes assis là, vous vous examinez dans votre caractère, dans votre aile, moi, tu te dis déjà, Seigneur, j'ai compris parce que tu ne m'as pas caché, tu m'as vraiment dit clairement, que moi ici, si je meurs, je vais aller à l'enfer. Alors, Abraham. Abraham était un homme qui aimait Dieu parce que d'abord, quand Dieu lui a dit, quitte ton père et ta mère et ta patrie. Je n'ai jamais entendu quelque part où Dieu a discuté avec, non, Abraham a discuté avec Dieu. Quand il lui a dit qu'il devait, mais si je quitte maintenant, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Je connais mon plan, comment ça va être effectivement? Jamais.
Il a simplement entendu et Abraham obéit. Simplement, Abraham a parlé avec Dieu. Quand Dieu lui a dit, quand il a dit à Dieu, il a dit, mais je te bénirai, tu vas me dire. Il dit, mon Seigneur, tu vas me bénir, mais j'ai ma femme. Depuis que je l'ai épousée, ce n'est pas d'aujourd'hui, elle est stérile. Et Eliezer, qui est dans ma maison, celui qui va hériter tout ça. C'est à ce moment-là que Dieu lui dit, non. Vous vous souvenez? Il dit, viens, Abraham. Vous vous souvenez? Lève les yeux vers les ciels. Tu vois les étoiles maintenant? Il dit, mais compte les étoiles. Frère, aimer Dieu, avoir foi en Dieu, ce n'est pas la comédie que nous jouons. Hein? Non, monsieur. Non, madame, non. Vous êtes des comédiens. Des gens qui jouent le jeu de pouvoir être des saints et des saintes, effectivement. Et puis vous faites sortir des choses aussi immondes de votre bouche, contre des frères, contre des sœurs, et vous parlez derrière les gens, en mal, et vous dites que vous allez au ciel. C'est pas possible, hein? Dieu n'est pas en gamin que vous puissiez jouer avec lui, ainsi de suite, effectivement, qui est bon, qui est... Non, 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 non. Dieu est Dieu, en fait. Et oui. La Bible nous fait comprendre que quand Abraham a regardé les autres, le ciel, il a vu beaucoup d'étoiles. Dieu lui dit, compte les étoiles du ciel. Abraham a regardé. Même s'il essayait de compter, c'était tellement nombreux. Au fin fond de lui, là, c'est dans l'intérieur, Abraham n'a pas douté, ne fût-ce qu'un seul instant, en disant, mais c'est impossible, que quand même que ça soit comme le nombre de ma postérité. Parce que Dieu lui a dit, tel sera, c'est clair, hein? Il n'a pas parlé en autre langue, mais tel sera ta postérité. Et la Bible dit que Abraham eut confiance en l'Éternel. C'est-à-dire qu'il avait foi, il a cru sincèrement que ce que Dieu lui a dit, ça sera ainsi. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme cela que... Vous avez le temps? Amen. Vous n'êtes pas pressé? Non. Parce que c'est dimanche, hein? Amen. Regardez ce qui est extraordinaire. Quand Abraham a regardé cela, il a cru, effectivement, et il a commencé à marcher avec Dieu. Vous savez cela, non? Dans la pensée d'un homme, on pouvait tout à fait imaginer, penser que, comme Dieu lui a montré, comme ceci, effectivement, donc Abraham, lui, il va avoir toute une multitude de bataillons de femmes. Ah oui, parce que pour avoir une possibilité comme ça, humainement parlant, c'était un harem, comme on appelle, nous. Vous savez que David en avait 500. Parce que vous me regardez comme si je suis en train de raconter. Et Salomon en avait 1000. Hein? Bah, imagine si chaque femme met des jumeaux. Vous comprenez, donc? Donc on peut dire que ça, un espace d'Abraham devait en avoir plus que David et plus Salomon. Mais Dieu est tellement grand. Quand Abraham est arrivé à pouvoir avoir ne fût-ce que ses désirs-là, donc il s'est passé, mais c'était même pas lui, hein. C'était Sarah, donc sa femme qui dit, prends Agar. Ça va faire l'affaire. Mais c'est Dieu qui vient. Parce qu'elle se voyait quand même, c'était sérieux. Mais Dieu qui vient, qui dit non, c'est pas avec Agar. Et quand tu es sorti, tu n'es pas sorti avec Agar. Il ne faut pas me faciliter la tâche comme si moi j'étais incapable de pouvoir accomplir ce que je t'ai dit là. C'est ça le problème avec moi. Que je vais faciliter Dieu, on va faciliter Dieu effectivement. Ah, combien... Non, mon frère, vous n'avez pas facilité Dieu. Il y a eu des gens qui ont voulu faciliter Dieu, mais ils sont morts, comme Usa. C'est ça que Dieu n'était pas capable. Donc Dieu est capable. Alors montrant effectivement sa pénibilité, il dit non, moi je n'ai pas, c'est pas cette voie-là. C'est pour ça, frères et sœurs, notre Dieu n'est pas incapable. Il a vraiment la capacité, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait. C'est comme cela qu'il dit non, c'est pas Agar. Je t'ai même pas demandé d'aller chercher Agar.
Il dit, mais c'est avec ça. C'est pour ça que il lui dit une chose qu'il dit, mais dans les chaînes, sur les chaînes de Mamré, quand il vint. Vous vous souvenez? Eh bien, il dit, où est Sarah, ta femme? Vous vous souvenez? Il est sous la tente, effectivement. Il dit, mais je reviendrai à cette même époque. Et Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Il n'avait pas cité les noms d'Agar. C'est eux qui ont voulu arranger les choses après. Mais il avait dit bien, Sarah, ta femme, t'enfantera donc un fils. Vous savez comment Sarah, c'est dans Sarari. Il se disait, bon, pour aller, mais je suis déjà vieille, effectivement, ainsi de suite, d'une certaine manière. Vous savez, non? Bon, vous comprenez pourquoi Dieu n'a pas... Ben, bref. Mais autant marqué. D'abord, Dieu a dit une chose merveilleuse. Disant que Sarah ici, ta femme, la stérile là, elle va t'enfanter un fils. Elle n'a pas dit une fille, un fils. Et puis, il dit, en Isaac, donc ce fils-là, c'est cela qui sera nommé pour toi une postérité. Est-ce que vous comprenez? Regardez comment Dieu, nous n'avons pas beaucoup de temps, regardez comment Dieu fait les choses d'une manière tout à fait extraordinaire. Donc, il accomplit sa promesse, mais dans une simplicité, mais avec une façon que l'imagination de l'homme dit, c'est impossible. Et puis, ce n'est pas comme ça qu'on conçoit. C'est la même chose que vous tous ici, frères et sœurs. Quand il s'agit des choses qui sont de l'assemblée de Dieu, effectivement, quand on va faire quelque chose, effectivement, parce que ça ne se fait pas comme ça. C'est comme ça qu'on doit faire venir. Vous aimez toujours donner des conseils, vous aimez toujours agir, effectivement, intervenir, comme si Dieu était un malade qui ne comprend rien du tout. Mais Dieu que nous servons, lui, il est la fin de l'oméga. Il connaît tout. Qui peut donner des conseils à Dieu? Est-ce toi? Non, pas du tout. C'est important qu'on comprenne cela. Regardez comment il est parti, effectivement, cela. Allez, d'une seule personne, et puis il est passé encore d'un enfant. Il dit, mais un Isaac sera nommé pour toi une postérité. Donc c'est par Isaac ici que moi je vais agir. Alors, certainement qu'on s'est dit, humainement parlant, que Isaac va avoir 1 million de femmes. Dieu surprend les gens. Hein. Là, on rentre un peu dans le mariage. Hein. Mm-hmm. Ah oui, mais c'est la vérité. Parce que Dieu n'a donné qu'à Isaac, Rebecca. Est-ce que vous me suivez? Parce que Dieu est grand. Aïe, 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 que c'est merveilleux. Nous revenons dans l'hébreu. Mais regardez bien. Et c'est important, mon frère et ma sœur. Nécessaire pour que nous comprenions que Dieu que nous servons, il est plus que sage. C'est nous qui méprisons Dieu, en fait. Parce que, maintenant, regardez très bien, et c'est passé par Isaac. Isaac, effectivement, arrive à pouvoir voir Rebecca. Et comme vous savez comment ça s'est passé avec Rebecca. Parce qu'Abraham savait, effectivement, ainsi on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Et c'est ainsi que, quand on a eu à pouvoir voir Rebecca, bon, on s'est dit qu'il va encore ajouter, et même que Rebecca, quand il va pouvoir voir, mais en fait, quand Rebecca a eu des enfants, c'était en fait des jumeaux. Vous me suivez toujours? Amen. Mais de ces jumeaux-là, il y en avait un seul, mis à part. L'autre n'avait rien à voir avec Dieu. Donc, alors, comment la possibilité va devenir nombreuse? Parce que quand on va avec deux enfants, et puis il va avoir, l'un 1000, mais 2000, effectivement, donc blablabla. Mais non, l'un vraiment, c'est un païen. Il ne veut même pas avoir rien de chose avec Dieu, effectivement. Vous comprenez cela? Mais il y en a que l'autre là, que Dieu avait un œil dessus. Ah ben oui. C'était donc Jacob. Vous comprenez cela, non? Donc regardez comment le cheminement a été. Dieu est bon. Frère, il faut que la bénédiction de Dieu se repose sur nous quand on est dans la condition que Dieu a voulu que nous soyons. Vous suivez ça? Est-ce que vous avez compris? Ça c'est pas comme on pense, ah, on est béni. Non, 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 il faut que tu sois dans la condition que Dieu veut. Je vous montre clairement, regardez très bien. L'aîné, c'était Ésaü. Et le second, c'était... Or, Dieu a dit, il a aimé beaucoup. Oui, monsieur. Mais Jacob ne va pas être béni parce que la bénédiction ne revient qu'à l'aîné. Dieu est juste, monsieur. Parce que l'aîné, c'était donc Ésaü, bien sûr. Et il a placé dans Jacob le désir de pouvoir avoir le droit d'aînesse.
Parce que s'il n'avait pas ça, il ne serait pas béni comme... Mais non, 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 monsieur, bien sûr, non, parce que tout revenait à Ésaü. Est-ce que vous vous souvenez? Et c'est ainsi que ça travaillait. Maman, Jacob lui-même. Dieu te bénit dans la condition que tu as remplie, que tu sois, pour que tu sois béni dans cette condition-là. Pas en dehors de la condition. C'est pour ça que... Oui, monsieur, c'est la vérité. Et alors là, maintenant, il dit, ce combat a commencé. Il dit, pour que je puisse être béni, Dieu est toujours dans sa parole, c'est vrai. Il ne va pas déroger. Il dit, pour que tu sois béni. Alors maintenant, il dit, mais Jacob, moi, je ne peux pas être béni, avoir le droit de naître, effectivement, être béni, sans ça, parce qu'il n'y a que le nez, afin que la bénédiction tombe dessus. Et moi, je suis le petit. Alors, il guettait, et si vous connaissez la maman, non? Quand maintenant, Isaac, donc, c'est lui à qui Dieu avait dit en Isaac, sera nommé pour toi une postérité, il devait maintenant, ça allait se reposer. Il fallait maintenant qu'il donne la bénédiction qui revenait donc, toute la bénédiction sur l'aîné qui va continuer la postérité. Mais l'aîné, là, il montrait déjà qu'il courait là comme vagabond, il n'y avait rien de bon. Il ne s'intéressait même pas aux choses de Dieu. Mais les petits, là, lui s'intéressait. Alors, Dieu s'intéresse à celui qui s'intéresse à lui. Tu ne peux pas vivre comme un cochon et puis dire, Seigneur, bénis-moi. Mais il ne bénit pas. Bon, il ne va pas venir comme des... Non, non, il ne va pas venir des chiens, non. Il ne va pas venir. Les chiens, non. Moi, Seigneur, il est bon, hein. Et oui, 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 il ne bénit pas les chiens, non, non. Vous vous souvenez? La femme syrophénicienne, il lui a dit, je ne vais pas donner la nourriture des enfants. Mais elle était. Tu vois ce qui s'est passé? Cette femme a accepté sa condition, mais elle a eu à pouvoir agir en disant que tu es aussi mon Seigneur. Est-ce que tu comprends? Ah, les choses ont changé. Parce qu'il a dû appeler Seigneur. Ces choses ont changé, bien sûr. Non, non. Il dit, mais femme, ta foi est vraiment grande. La persévérance, est-ce que vous comprenez? Eh ben oui. C'est ainsi que, hein, lorsque Isaac voulait donc donner sa bénédiction, vous me suivez? Amen. Je parle calmement pour que frères et sœurs, vous compreniez bien les choses, afin que ces choses ne vous échappent pas pour... Peut-être si je parlais vite, je disais, ah, le frère parle un peu trop vite. Mais là, vous entendez bien que je vous parle calmement pour que chacun de vous n'ait pas d'excuses en disant, je n'ai pas à pouvoir comprendre, je n'ai pas saisi, alors il faut que vous puissiez avoir votre attention ici. Alors, c'est comme ça que, Isaac, et j'ai bien répété, pour que tu sois béni, ma soeur, mon frère, tu dois être dans la condition que Dieu veut pour que tu sois béni. Il ne bénit pas les chiens, il ne bénit pas les chiens. Non, 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 non. Et vous entendez cela? Ok, merci. Alors, c'est-à-dire que Isaac, le père, de tout son cœur maintenant, il aimait Ésaü. Vous savez pour quelle raison il aimait Ésaü? Parce que c'était son fils aîné. Tous parents aiment toujours l'aîné. C'est les grands frères. C'est ceux qui sont là. Non, non, non. Peut-être que nous aimons les aînés. Nous en avons beaucoup d'enfants. Nous avons les aînés. Vous avez toujours vos yeux pointés sur l'aîné, mais Dieu ne l'aime pas. Et toi, tu dis, ah, mon aîné, mais tu vois bien tous les dégâts qu'il fait, mais Dieu ne l'aime pas. Vous voulez encore un autre exemple? Quand Dieu voulait choisir un roi, le papa a établi tout la ligne. Il dit, c'est mon aîné là que j'aime. Il a même placé bien devant pour qu'on le voit bien. Et puis, quand aussi Samuel a regardé, son cœur aussi était touché, c'est quand même l'aîné. Il dit, non, il dit, mais ça doit être là. Et puis Dieu lui dit, Samuel, je ne t'ai rien dit. Celui-là même, je l'ai rejeté. Et pourtant, c'était l'aîné. Il dit, mais Seigneur, si tu as tout rejeté, d'ailleurs, on sait que c'est l'aîné souvent, mais si tu as rejeté, mais qui est donc là, la personne? Alors maintenant, le prophète devient juste. Il dit, moi, je pensais que j'allais accomplir mon travail avec l'aîné. Dieu lui dit, non, 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 je l'ai même rejeté, lui. Ah oui, ne fais pas attention à sa taille. Oui, il dit, mais où sont tous tes enfants? Ils sont tous ceux qui sont ici, là? Il dit, non, 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 c'est lui qu'on a méprisé.
Celui que ce que vous ne regardez même pas là, qui n'est pas tellement dedans. Non. Il dit, parce qu'il a même oublié, le papa a oublié. Non, il a oublié parce qu'il était inutile. Alors qu'il était utile parce qu'il paissait les troupeaux. Il respectait ce que le papa disait effectivement là-bas. Mais oui. Alors il dit, mais nous n'allons pas nous asseoir sans que cet enfant-là ne soit ici. Oh, il devient honorable. Donc le petit là qu'on a fait comme là-bas, on le jette là-bas, on dit, mais pour que nous nous asseyons, il faut d'abord qu'il soit présent. On l'attend. Le prophète est venu et il attend ce petit là qu'on a tous méprisé. Vous comprenez, frère? Votre façon de considérer les choses, même dans votre famille, dans votre... Bien sûr, mon frère et ma soeur, si vous êtes des croyants, il faut que vous compreniez qu'il faut que les choses changent dans votre façon de voir. Quand David le petit est entré, on a senti quelque chose à l'intérieur. Le prophète a senti quelque chose. Oui, monsieur, parce que l'aîné n'était pas celui qui avait... Parce que ce petit-là avait des expériences avec Dieu. Il ne fricotait pas avec le monde, monsieur, non. Dans son coin là-bas, il connaissait qui était le Dieu d'Abraham. Le Dieu dit, bien sûr, Dieu le connaissait. Mais le papa ne savait pas. La maman ne savait pas. Et tout ça, bref, on rentre pas, c'est pas la prédication. Aïe, 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 il est temps. Mais c'est la vérité. Ce que vous considérez, ce n'est pas ce que Dieu considère. Ce que Dieu considère, ce n'est pas ce que nous considérons. Nous avons des jugements erronés, en fait. Aïe, 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 c'est merveilleusement merveilleux, les choses qui sont des dieux, frère. Vous vous rendez compte, si on vous avait présenté à l'époque, effectivement, un homme comme Saul, qui a eu à pouvoir participer au meurtre d'Étienne, qui persécutait les églises, qu'est-ce que vous allez pouvoir dire? Vous dire, mais cet homme ici, mais vraiment, il va en enfer. Jugement de l'homme. Cet homme ici, il va en enfer, effectivement. Et ça, c'est pas possible, il doit aller en enfer. Mais regardez. Comment Dieu change. Même Ananias, auquel Dieu a parlé. Il y a un homme dans la soleil. Ah, Seigneur, je le connais. Il tue, il tue, il tue. Tu m'envoies là-bas, mais c'est pour qu'il me tue. Il dit non. Cet homme-là est un instrument maintenant. Donc, tu vois, même les autres. Hein? Bref, on revient à ce que nous disons, effectivement. Et c'était donc Isaac, donc avec Esaü, qui ont dit, va donc me préparer, et moi, je prépare, tu prépares, comme j'aime bien manger là, et puis après, je prierai pour toi, et puis je m'en irai. Or, le papa ne sait pas qu'un jour, l'aîné là qui l'aimait tellement, il était parti à la chasse. Ça va? Oui. Vous suivez? Amen. Je dois rentrer dans les Hébreux. Mais c'est... Oui. Regardez bien. S'il veut, si le Seigneur le veut. Un jour, l'aîné là, il est parti, il était parti à la chasse. Il est allé se chasser. Puis il est revenu, il avait vraiment été fatigué, il avait vraiment faim. Tandis que Jacob était toujours assis. Vous vous souvenez, il avait presque 40 ans, je pense. Hein? Toujours avec sa maman. J'avais dit une voix ici, j'ai dit, c'est comme les sœurs, besoin de parenthèses. Ils ont toujours, vous voyez une soeur, l'enfant que nous avons ici, il a grandi, il commence à grandir 22 ans, je ne sais pas, 19 ans. Toi, tu n'as pas encore de fiancé. Toi, toujours en train de... C'est vous qui poussez les enfants à la prostitution. Toujours vous, tu grandis, tu as vu comment elle a grandi. Mais il n'y a personne autour. Sœur, mon frère. L'enfant avait des yeux purs, des pensées pures. Et vous pensez, vous avez pris la place de Dieu et vous le réveillez maintenant. Mais c'est normal que... Allez maintenant voir sur les réseaux sociaux des enfants. Regardez comment ils sont. Regardez, ils vont monter. Vos enfants ici. Ils ont des lèvres rouges. Et puis, non seulement les enfants, vous les grands. Regardez maintenant, c'est la nouvelle mona. J'ai dit, vous savez, je pleure beaucoup. Vous pensez que je ne vois pas? Je pleure beaucoup, mon frère et ma soeur.
J'ai dit, Seigneur, quel travail j'ai fait. Des personnes que tu vois, tu dis, mais c'est pas des... Vous voyez, mais vous aussi, frère, hein? Des frères qui sont là avec des... Vous voulez montrer. Mais je vois, avec, ils ont mis des costumes, montrer des costumes, il faut qu'on voit. J'ai dit, Seigneur Jésus. Et ils me disent que je vais servir, je vais saisir. Parce que vous ne voyez pas que Dieu m'accorde la grâce de pouvoir vous voir, frère. Vous vous exposez sous les trucs là. Et maintenant, quand je vous mets ici comme prédicateur. Et tout cela vous voit comme un chanteur. Vous faites tout. Mais oui, frère, je ne sais pas pour mon frère et ma soeur. Et vous, soeur. Maintenant, c'est la mode, hein? On est dans la mode. On ne parle plus, on met la musique du monde là, comme c'était des cantiques, effectivement. Et vous vous tenez là, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je regarde, je suis assis là-bas, je pleure dans mon cœur, je dis, Seigneur, aide-moi. Moi, c'est la vérité, frère. J'ai dit, Seigneur, je vais où? Aie pitié de moi parce que même mon état de santé. Mais c'est vrai. Vous ne vous rendez pas compte, frère. Tous les enfants sont passés à la prostitution aujourd'hui. Sur des Facebook. J'ai dit, mais c'est pas possible, mon Dieu. Ils ne peuvent pas voir ça. Des cœurs avec des crêpes sur les lèvres, avec des bois à des bidons, maquillage, n'en parlons même pas. Si on touche ça, les gens commencent à s'énerver. Vous vous rendez compte, frère, mais vous envoyez vos enfants à la prostitution. Ils doivent se peindre avec tout ce qu'on a en Julien. Mais vous les exposez, effectivement. Bien sûr que c'est ainsi qu'on commence à chercher. Mais c'est vrai, frère. Vous vous détruisez vous-même. Et vous détruisez ce que Dieu vous a donné de meilleur. Que dirons-nous? Que dirons-nous, frère? Regardez-vous dans vos Facebook. Et puis, chacun, la grande majorité ici, ils ont compte bloqué. Bloqué. Pour ne pas qu'un frère ou une soeur de l'Assemblée, vos comptes sont bloqués. Mais je vais me faire moi aussi sur Facebook. Et je vais aussi, je vais aussi être ami avec vous. Vous avez débloqué vos comptes. Pour qu'on voit, que ce soit les jeunes frères, que ce soit les jeunes soeurs, tous ces enfants que vous voyez ici, leurs comptes sont bloqués. Pourquoi ils sont bloqués si c'est tout à fait normal? Alors demain, débloquez vos comptes. Parce que moi, je vais aussi passer dans tout un chacun. Je ne vais pas trouver un compte qui est bloqué, hein, frère. Je veux que tout le compte soit débloqué. Parce que si eux, ils ont l'accès pour vous, pourquoi pas moi? Et vous dites, vous m'aimez. Mais laissez-moi aussi entrer. Vous voyez, c'est ce qu'on fait. Hein. La Odyssée a jeté le Seigneur. On aime le Jésus de la... Jésus dit, mais je viens pour rentrer. Non, ne rentre pas, ne rentre pas, ne rentre pas. Mais pourquoi? C'est chez moi quand même. Vous m'aimez, non? Non, ces zones-là, il ne faut pas toucher. C'est comme ça que vous êtes. C'est la Odyssée. Le Seigneur veut entrer. Mais ouvrez-nous vos comptes. Ouvrez-nous vos Instagram, vos ceci. Ouvrez. Ouvrez. Parce que c'est toujours privé. Mais dans ces privés-là, il y en a des autres qui sont. On voit 1800 visiteurs. Et il y en a un suiveur, c'est ces 2 millions. Mais ces 2 millions, ils sont toujours bloqués. Il y a un problème, frère. Ainsi, maman et papa, faites venir vos enfants. Faites-les asseoir. Demandez-les à leur portable. Asseyez-vous. Je m'assieds. Maintenant, ouvrez vos comptes. Montrez-moi. Vous allez pleurer. Vous savez, je pleure. Je ne sais pas si c'est le Seigneur, mais vous ne connaissez pas mon cœur, frère. Je vois. Ils sont des sœurs, on peut comprendre, effectivement. Et ils vont vous aller sur le toit, ils vous achètent le vêtement là, qui sont serrés comme un paquet ici. Que Dieu te bénisse. Maintenant, quand ils marchent, les sœurs, vous êtes ici, vous avez. Non. Ils vont moi seulement leur paquet là. Pokutugu, avec la musique, hein. Vous pensez que je ne connaissais pas. Mais parce que Dieu dit qu'il faut connaître les brebis. Les bergers doivent connaître ces brebis. Tout un chacun de vous, ce que vous faites là, vous les exposez en fait. Et ces gens-là vont dire, mais ils sont de chez les frères Léonard. Voilà. Vous faites, je suis libre, indépendant chez moi, je peux montrer ce que je veux, je monte sur le Facebook, mais ils regardent, mais ça, ils sont de chez les frères Léonard. Voici l'évangile qu'ils les rapportent. Donc vous allez faire insulter les paroles de Dieu,
pour votre gloire à vous, votre beauté qu'on doit arriver à pouvoir vous exposer sur les nets et votre charge que vous avez pour que tout le monde voit. Mais oui, c'est comme ça. Mais oui, bien sûr, mais vous l'exposez. Mais si vous voulez, venez dans mon bureau, je peux vous le montrer. Bien sûr, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous souillez les gens. C'est pas possible, ça. Quelle sainteté que vous pouvez manifester maintenant. Alors, c'est comme ça que les gens viennent, ils sont tellement touchés par la parole, mais vous les faites fuir. Il voit une sœur qui a un témoignage. Là, bien, un jour, pas fait en allant. Avec la musique des fonds, vous vous admirez vous-même. Que Dieu vous délivre. Il faut vraiment une délivrance totale pour qu'effectivement que nous puissions... Je termine par là. Regardez bien. Alors, c'est comme cela que les jeunes hommes aillent à pouvoir, quand ils venaient tellement affamés, Jacob était toujours avec les lentilles, là, vous connaissez, non? Alors, il dit, mais j'ai faim. J'avais faim. Jacob était assis. Oui, tu as faim. Il dit, bon, donne-moi de ces lentilles-là que tu as préparées. Et c'était l'occasion. Tu veux la lentille que je préparais? Il dit, oui. Mais alors, j'ai quitté pas demandé. Mais quoi? Je suis en train de mourir. Il dit, mais dis-moi, vends-moi ton droit d'aînesse. Il n'a pas dit donner, il dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Vends-moi seulement ton droit d'aînesse. Parce que ça, ça veut dire que je l'ai acquis. Amen. Ah oui. Amen. Ah oui. Il dit, moi je meurs comme ça de faim, tu me demandes le droit d'aînesse. Il dit, il n'y a pas de problème, il dit, prends là. Donne-moi lentille. Donc il dit, mais compte les lentilles, c'est donne mes lentilles. Mais toi, tu me vends ton droit d'aînesse. Il dit, ah oui, il n'y a pas de problème, il dit, donne-moi lentille. Lui, il pensait que le fait qu'il était l'aîné, ça ne changera jamais rien. Ah. Il ne connaît pas seulement les choses dans les domaines spirituels. Vous vous souvenez de Joseph et son père? Il a placé l'aîné ici et les seconds là. Logique. Mais il ne pouvait jamais penser à ça. Ah bah oui. Parce que Dieu connaît. C'est comme ça que quand Jacob s'est fait passer pour Ésaïe, c'était son nom. Vous savez, non? Vous connaissez toute l'histoire. Et le papa, qu'est-ce qu'il a fait? Toute la bénédiction qu'il voulait donner à Ésaïe, parce que c'était l'enfant de son cœur qui voulait tout donner. Et Jacob est venu. Ésaü, mon fils, oui. Il dit, mais c'est quand même bizarre. Je ne vois pas, mais... La voix, c'est Jacob. On dit, ah, le papa était intelligent aussi. Hein. Il dit, viens m'embrasser. Et Dieu était sage. Il a donné la sagesse. Oui, bien sûr, à Rebecca. Rebecca, il a mis le poil des animaux et tout ça pour que et son fils là sente aussi l'odeur des animaux. Parce que les papas savaient. Hein. Et si c'est ma perception, je sais que quand Isaïe vient, il sent l'odeur des animaux, effectivement, il est là. Alors il dit, viens un peu m'embrasser. Parce qu'il dit, mais c'est bizarre ça, je suis en train de pouvoir. Il ne vient pas. Et puis il est petit, il vient pour embrasser son père en poussant. Oui, il a senti les poils ici parce qu'Esaïe était venu, donc il a parlé, non. Alors il a senti le papa sans. Il sent, parce que quand il dit, viens m'embrasser, c'était pas seulement qu'il veut l'embrasser, c'est parce qu'il veut sentir l'odeur. Et alors, papa était intelligent. Et puis, le petit aussi, il n'était pas bête. Il fousse comme ça. Et puis, papa sent, il sent l'odeur des animaux. Il dit, et puis, ah, mon fils, il va comme ça, blablabla. Il dit, mais... C'est extraordinaire. Il dit, la voix, c'est Jacob. Mais quand je touche le corps, c'est un dilemme. Alors, pas de problème, parce que vous savez, frère, ça... Pour qu'on bénisse quelqu'un, il faut que le cœur soit totalement... Autrement, ça ne marche pas bien.
Alors, c'est pour ça que papa voulait l'aimer vraiment, qu'il voulait là, parce que son cœur se libère. Vous vous souvenez de cela, non? Eh bien, Rebecca, comme il connaissait son mari, il a mis vraiment... Et Jacob avait une bonne maman. Hein? Elle l'a vraiment, vraiment bien, bien... Il dit que ici, je sais que quand je mets un tout petit peu comme ça, il va aimer davantage. Parce que, alors là, il a fait ça, il l'a donné à son fils. Papa, j'étais papa. Il dit, mais d'abord, Esaïe, mon fils, tu as été si rapide. Oui, papa, aujourd'hui, la journée a été très facile. Ah, pas de problème. Oh, c'est la maman qui a tout fait derrière. Puis il prend, il mange, il sentit vraiment que c'était bon. Elle dit, maintenant, viens, maintenant, je vais te bénir. Alors il est avancé. Pour que papa, en bénissant, sente toujours l'odeur des animaux. Parce qu'avec lui, c'était différent. Et quand papa sentait l'odeur des animaux et qu'il a bien mangé, il a donné toute la bénédiction. Il dit que tes frères soient esclaves. Alors là, que la bénédiction du ciel soit comme la rosée du ciel, et maintenant, donc toutes les bénédictions, tout ça, la réussite, il a donné à. Mais lui, il pensait qu'il donnait à. Voilà, et Jacob, là, il ne voulait même pas toucher, parce qu'il dit, sinon, s'il dit, je vais déranger les programmes. Non, ça a causé, on a donné. À tout, de toutes les bénédictions. Et puis, pouf, il est sorti à la gada. Il est parti, maman était contente parce que c'était le plan de Dieu. Il ne pouvait pas avoir cette bénédiction-là s'il n'avait pas acheté le droit d'aînesse. Donc il fallait qu'il ait le droit d'aînesse pour l'avoir. Et la suite, vous la connaissez. Revenons maintenant à Abraham. C'était son unique enfant. C'est lui qui il aimait de tout son cœur, de toute son âme. Enfin, en tout cas, Abraham et son Isaac, c'était vraiment le cœur. Et puis, un enfant qu'il a attendu pendant... Quelle patience, mon frère. Il y a eu des insultes, il y a eu des mini. Oui, depuis que tu nous as dit, cet enfant, on ne le voit pas. Et tu es toujours, il n'arrive pas à pouvoir enseigner. On ne voit absolument rien. La persévérance, c'est quelque chose. La persévérance dans la parole de Dieu, dans la promesse de Dieu. Et ça porte le résultat. Et voilà que, à un certain moment, Dieu a son temps marqué. Si tu as dit quelque chose et que tu crois la chose, sois patient. Amen. Les années peuvent passer. Amen. Dieu n'est pas tenu par les années ou le temps. Non. Il est tenu par sa parole. Et au moment où elle doit, il va pouvoir s'accomplir. Et voilà que l'enfant est là, puis la maman a été heureuse de pouvoir avoir son fils dans l'âge avancé. Et puis, il entend la voix de ce même Dieu qui dit, prends ton fils, ton unique là, celui que tu aimes tant. Viens me l'offrir donc en holocauste. Si c'était l'un de nous, on allait attraper des crises de folie. Ceci est 100% vrai. Parce que regardez simplement quand le Seigneur permet des circonstances dans votre vie avec vos enfants. Comment vous êtes même prêt à pouvoir tuer les autres pour votre enfant, même si votre enfant est en tort. C'est triste, hein? C'est vraiment triste. Vous n'arrivez même pas à pouvoir avoir la façon, la pensée juste de pouvoir penser que non, ma fille a commis une erreur ou bien mon fils est en tort. Il faut que les choses soient comme Dieu le veut. Non. Non. Ça c'est pour vous. Non. C'est les biens. Tu discutes là, tu vas donner des frères et sœurs. C'est plus qu'abominable ce que vous faites. C'est 100% vrai. Vous n'êtes pas digne de la parole de Dieu. Vous n'êtes pas digne de Dieu lui-même. Ce n'est pas possible. Parce que, regardez cet homme ici, Dieu lui dit, mais donne-moi cet enfant-là en holocauste. Ce qui est merveilleux, je ne sais pas pourquoi, je veux lire hébreu, mais je suis là. Je ne sais pas, mais je crois que le Seigneur veut que nous mettions vraiment nos vies en ordre. Peut-être que les hébreux, on pourra les lire après, mais Dieu veut que nous mettions vraiment nos vies en ordre, frère. Parce que regardez très bien, je vous dis la vérité, je combats, je dis, bon, je prends ça, je reviens par les hébreux parce que j'ai les... Oui, mais je reviens. Je crois que nous devons mettre nos vies en ordre. Ce n'est pas possible autrement, frère. Parce que c'est cela qui éloigne pour moi le Saint-Esprit. Oui, bien sûr, c'est nécessaire que chacun de nous puisse arriver à pouvoir... Regardez bien, cet homme-là, attendez, effectivement. Et que l'enfant, et puis Dieu lui vient et lui dit, offre-moi ton fils. Et puis il dit bien,
ton unique, il insiste bien, pour que ça sonne bien dans ses oreilles, il a dit, mais ton unique là, celui que tu aimes tant là, ton Isaac, viens, prends-le et me l'offre en holocauste. Vous voyez, ce qui est extraordinaire, comme je voulais toujours enseigner ici, Abraham n'a pas bronché. Il n'a pas pleuré, il n'a pas piqué des crises de folie pour dire non, c'est peut-être que c'est pas mon Dieu qui peut me demander ça parce que c'est pas possible que Dieu me demande une chose pareille, c'est pas possible parce que Dieu, il pouvait dire aussi, mais Dieu ne mange pas les chats des hommes, des humains, tout ça. C'est comme ça que vous, si vous donnez cette situation, peut même arriver parce que c'est pas de Dieu, c'est pas Dieu qui peut permettre cela, mais Dieu te regarde. Il te regarde. Mais c'est la vérité 100%, mon frère. Abraham est tout ça. Je dis, non, ça, c'est pas possible. Dieu ne mange pas la chair des hommes. Donc, c'est quand même une tentation. C'est quand même quelque chose. C'est vraiment les diables qui tentaient pour voir dire, mais non, la voix que tu as entendue, là, c'est la même voix que tu avais dit qui ton père et ta mère, non? Maintenant, pour ton enfant unique, là, nanana, tu commences à voir dire, non, Abraham n'a pas été comme ça. Vous savez ce qui s'est passé avec Abraham? Il n'a pas été comme ça, mon frère. Non. Parce que Dieu lui a pris, il a dit, mais donne-moi tout ce que tu as eu à pouvoir espérer dans ta vie, parce que pendant 25 ans, tu as attendu cet enfant qui te fait la fierté de tout le monde, qu'on puisse voir que mon enfant Isaac, pour lequel j'ai persévéré dans la foi, tu rends témoignage effectivement dans l'assemblée, c'est cela. Maintenant, viens me le donner. Maintenant, pas n'importe comment, mais tu vas lui couper la gorge. Et pas que tu demandes à quelqu'un de le faire, mais c'est toi-même qui va couper sa gorge, effectivement, qui va même mettre le feu pour le brûler, parce que c'est comme ça que moi je reçois l'holocauste. D'ailleurs, il a pris quoi? La corde, les couteaux et le feu, il est monté avec. Vous me suivez? Amen. Alors, mais il y a quelque chose de tellement extraordinairement merveilleux. C'est la foi d'Abraham dans ses dieux, effectivement, qui l'avait toujours conduit toute sa vie entière. Vous savez, nous ici, nous sommes souvent des amnésiques. Ce qu'on appelle l'amnésie spirituelle. Tu passes par une épreuve parce que Dieu ne va pas te faire passer la même épreuve. Non, monsieur. Quand on est au début, il y a différentes phases des épreuves. Petites, qui commencent un peu, et puis après, des grandes. Et toi, tu oublies que c'est Dieu ici, même dans le moment où j'avais des petites épreuves, là, ainsi de suite. Il m'a toujours délivré de ces épreuves. Il m'a toujours sauté, bien sûr. Mais quand il t'est fait passer maintenant par une grosse, effectivement, parce qu'il a vu la taille de la confiance que je lui ai pu apporter, tu deviens amnésique. Ah, c'est pas possible. Mais non, il va pas te donner les mêmes, il va pas donner quand même la même épreuve que quand tu as commencé dans la foi. Non, monsieur. Non, les épreuves augmentent effectivement avec la taille de la foi que tu as. Maintenant, toi, tu dois toujours te souvenir d'une chose. Que c'est Dieu ici et le même. Depuis qu'il m'a fait sortir. Dans chaque épreuve, c'est pour ça qu'il ne fait pas. Dans chaque épreuve, il me fait toujours sortir. Je ne dois pas sortir de sa parole. Ce qu'il me dit, je le fais. Oui, monsieur. C'est ton caractère que Dieu veut tailler. La confiance, il devait être bien sûr que cela. Et c'est pour ça qu'Abraham, là, arrivé là, il dit, Dieu m'a demandé mon fils. Je ne vais pas lui refuser. Mais je sais une chose, que quand j'étais là-bas à Charan, il m'a fait sortir. Et il m'a montré, effectivement, il a combattu pour moi, il m'a toujours soutenu. Et il m'avait dit qu'en Isaac, en Isaac, en Isaac, je ne vais pas être un amnésique, mais je sais une chose. Il a dit, en Isaac, tu auras une postérité. Alléluia! Mon frère et ma soeur, ne deviens pas amnésique. Dans ton épreuve, ne deviens pas amnésique. Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Il ne t'a jamais abandonné. Tu as eu des épreuves, il t'en a fait sortir. Aujourd'hui encore, il te fera sortir. Mais toi, reste fidèle à sa parole. C'est la confiance d'Abraham en Dieu. Il ne savait pas ce qui allait se passer. Mais il savait une chose, que ce Dieu ici ne ment jamais. C'est pour ça que les décédents, moi et l'enfant, nous montons pour l'adorer. Moi et l'enfant, nous reviendrons. Mais il savait qu'elle allait tuer son fils. Bien sûr que oui. Mais il savait une chose, que ce Dieu ici qui m'a parlé, il va ressusciter Isaac.
C'est écrit. Alléluia. Frère, on doit connaître Dieu, le respecter, frère. C'est comme cela que cet homme est monté avec une telle assurance, un calme imperturbable. Il n'a pas commencé à avoir les hystéries. Oh, qu'est-ce que tu m'en fais? Non, aussi calme parce qu'il avait confiance en ses dieux. L'enfant, lui, parce que là, on a piqué encore un peu plus, il se dit, mais l'enfant maintenant, un enfant qui te respecte, un enfant qui t'aime, il ne t'a rien fait. Donc, c'est-à-dire que tu aimes cet enfant, et puis tu entends l'enfant qui te pose la question. Un innocent. Il dit, mais papa. Donc, chaque fois que nous allons, je sais comment tu fais, il me dit, mais là, il y a un petit problème. Voici les couteaux, voici les feux. Mais où est donc l'agneau pour les services, pour l'Holocauste? Où est cet agneau en question? Il est où? L'enfant sent, les papas sentent piquer des crises et commencent à pouvoir pleurer. Aïe, qu'est-ce que j'ai fait sur la terre? Pourquoi toujours tout ce malheur à moi ainsi? Il dit non. C'est comme ça que nous arrivons à pouvoir faire. C'est le manque de foi, manque de confiance. Ça montre effectivement que tu n'as plus confiance en Dieu. Pourquoi toujours à moi? Et c'est à moi que ça arrive effectivement. Mais si ça arrive que tu aimes Dieu, c'est parce que Dieu t'aime. Bien sûr que oui. On nous a toujours enseigné en disant dans la Bible que les épreuves sont plus précieuses pour nous que l'or périssable. Mais toi, sœur, quand tu as l'épreuve, tu fuis l'assemblée. Tu vas chercher les hommes du monde pour pouvoir t'aider à sortir l'épreuve. Mais le secours ne peut pas venir du monde. Le secours te viendra toujours de l'Éternel. Ah oui, il ne faut pas oublier ce que c'est Dieu à pouvoir te dire. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Ce n'est pas le problème, c'est parce que nous n'écoutons plus la parole de Dieu. Nous s'asseyons ici, on a dit Alléluia, Amen, on a été dans la joie et on sort, on continue nos programmes. Je pense même que quand on franchit cette porte-là, on a même oublié ce qu'on nous a prêché ici. Or, la Bible dit que Dieu fait toutes choses par. C'est ce que vous entendez. C'est elle qui te tiendra, qui te soutiendra dans l'épreuve qui t'attend demain, après-demain. C'est la parole que vous entendez. C'est celle qui va vous dire. Et voilà, dit, mais Père, voici les couteaux et les feux. Où est donc l'agneau pour l'Holocauste? Le papa imperturbable. C'est comme ça que chacun de vous, nous devons être. Dans nos épreuves, dans les difficultés qu'on peut amener, même ceci, pas piquer des crises de nerfs, pas commencer à pouvoir dire j'ai perdu le contrôle, je ne sais pas ce que j'ai fait au monde, je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un qui te combat, non? Non? Dieu est celui qui est venu pour pouvoir te sauver. On dit bien que l'Éternel combattra, par contre, pour nous. On nous dit bien que si Dieu est avec nous, qui sera? Dieu ne peut pas être contre toi, à moins que tu deviennes maintenant du côté de l'ennemi, parce qu'il ne combat que l'adversaire. Si toi tu deviens adversaire de lui, alors il va te combattre. Mais si toi tu es avec lui, comment est-ce que Dieu puisse tourner ses armes contre lui-même? Ok. Il faut que nous arrêtions. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous devez savoir que ce que Dieu veut, c'est toujours ton bonheur. Amen. Même s'il permet les épreuves. Amen. Aussi longtemps que tu n'as pas été volé. Je te rappelle que les épreuves viennent chez toi. Merci Seigneur. Amen. S'il faut souffrir, je souffrirai. Amen. S'il faut arriver à pouvoir accepter, parce que toi, tu n'as pas fui la croix. Il n'a pas fui la croix. Moi non plus aussi, je ne vais pas aussi fuir aussi ma condition. Frères et sœurs, ouvrez vos oreilles. Amen. C'est un temps où nous devons vraiment nous mettre, comme la Bible dit, pour pousser Satan et ses démons dehors. Amen. On les a laissés trop. On les sait trop. Satan est venu te mettre inimitié entre ton frère et ta sœur. Pourquoi glorifier des démons? Pourquoi donner toujours davantage à Satan? C'est pas, vous savez, c'est pour ça que je. Mais c'est pas possible, frères et sœurs. Et vous chantez Dieu, et vous lisez, et puis quand il s'agit de voir faire les choses en ordre, dans une situation, non, Dieu n'existe plus.
Et c'est vous maintenant qui commencez à pouvoir imaginer, alors que la Bible te dit que c'est comme cela. Vous devenez, vous savez comment vous êtes devenu donc copain avec les démons. Parce que quand vous abandonnez la parole de Dieu, vous abandonnez donc Dieu, donc vous êtes ami avec les démons. Vous dites, oh frère, tu exagères, mais examinez-vous très très bien. Frère, nous avons besoin d'une bonne conversion. Nous devons revenir vraiment à l'ancienne mode. À un retour véritable. On est tellement là, les messages, on combat, on dit, on a un message, les prophètes, on dit, mes frères, vous vous tuez pour rien. Toutes ces connaissances-là ne vont pas vous amener loin. Parce que d'abord, vous-même, vous n'êtes pas convertis. Amen. Alors, voici donc, il me dit, voici le feu, je termine, je pense qu'on va maintenant. Voici donc le feu et voici donc le couteau. Vous ne fatiguez pas, je vais vous laisser partir. Je ne vais pas parler fort. Alors vous ne devez pas dormir quand même. Non? C'est important, frère, parce que ça va vous coûter cher. Croyez-moi, ce que je vous dis, c'est la vérité, frère. Si vous ne mettez pas vos vies en ordre, il ne faut pas attendre beaucoup longtemps. Le Seigneur a dit ici dans sa parole, je veille bien sur les malédictions et aussi bien que sur le... Maudit et quiconque fait avec négligence les choses... Oui, c'est écrit. Donc, nous revenons avec Abraham, nous pouvons terminer là si tu le permets. L'enfant lui pose la question, Père. Oui, donc, peut-être qu'il faut quand même qu'on lise cela parce qu'on va lire, il parle, il n'a pas beaucoup lu, hein? Alors, nous allons dans Genèse, ça, ce serait quand même mieux, hein? Ce qu'on va dire. Genèse chapitre 22. Verset 1, il dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, vous suivez? Ton unique, vous suivez? Celui que tu aimes, il a bien cité son nom, Isaac. Pas un autre, hein? Pas aller chercher Ismaël. Hein? Il dit, Isaac, pas l'autre. Hein? Isaac, il dit, va-t'en au pays de Morija. Et là, offrez-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et vous comprenez? Tu peux t'asseoir, mon frère, que Dieu te bénisse. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci, ma soeur. Regardez bien. Alors il dit, offrez-le sur une montagne que je te dirai. Il dit, Abraham, ce qui se dit que Dieu devait lui montrer, n'est-ce pas? Abraham s'éleva de bon matin, scella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois. Ce n'était pas pour comédien. Hein. Il fendit du bois, écoutez bien, pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Toujours obéissant. Il pouvait aussi fuir, il dit, non, c'est pas possible, non, moi, ma femme, prenez, puis on va prendre la fuite, on va fuir dans un pays. Non. Ah oui, parce qu'à ce moment-là, bon, Dieu ne va pas nous trouver, on va se cacher quelque part. Et parce que moi, j'ai besoin de mon Isaac, je vais garder mon Isaac. Frères et sœurs, nous ne sommes pas comme les autres. Dieu nous a montré dans les saintes écritures ce que nous sommes et ce que nous sommes censés pouvoir faire dans toutes les conditions. Souvenez-vous de Jochebed. Avec les dits du roi pour les enfants et tout ça. C'est Jochebed d'ailleurs pouvoir faire confiance à l'Éternel. Vous vous souvenez? Alors il dit, verset 4, il dit, le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit donc les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, vous savez, restez ici avec l'âne. Vous entendez? Amen. Moi, Abraham, et le jeune homme Isaac, nous irons jusque-là pour adorer. Vous entendez ça? Parce que si nous entendons très bien ici, le Seigneur a dit, chapitre 22, verset 2, il dit, mais Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, vous entendez bien? Offrez-le, hein? Vous entendez bien?
partout, offrez-le à l'Holocauste sous l'une des montagnes que je te dirai. Donc, cet enfant-là devait être tué, être offert à Dieu, c'était clair. Mais maintenant, regardez, lui, il dit à Sissi, il dit, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi, Abraham, et le jeune homme Isaac, nous irons jusque-là pour adorer. Et, écoutez bien, et moi, je reviendrai auprès de vous. Non, il dit, et nous reviendrons auprès de vous. Donc, avant même qu'Abraham ne monte pour offrir son fils, il avait l'assurance dans son cœur qu'il amènerait son fils là-bas haut, il les tuerait, mais son fils sera ressuscité parce qu'ils vont revenir. Tous les deux. Est-ce que vous comprenez? C'est parce qu'il avait assurance dans ses yeux ici que Dieu ne va pas permettre qu'Isaac ici puisse mourir, parce qu'il y a une promesse que dans Isaac, il y aura une postérité pour moi Abraham. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça, frères et sœurs, il faut aimer Dieu plus que même vos propres enfants. Peu importe, mon frère, ma sœur, si ton enfant a tort, dis qu'il a tort. Oui, ne cherche pas de couverture pour couvrir. Ah, mon fils, ah, ma fille. Ah, non! Il agit mal, tu agis mal. Mets les choses en ordre. On doit agir comme la Bible dit. Oui, monsieur. Pas d'explication. Non! Pas d'explication. Frères et sœurs, il faut qu'on se regarde pour voir si nous sommes vraiment. Parce que pour aller au ciel. Frères et sœurs, ce ne sont pas des gens qui ne prennent que ce qui les arrange, un peu ceci, parce que ça, si ça ne m'arrange pas, non. Et puis, si ça ne m'arrange pas, je vais m'arranger. Frères et sœurs, vous partez pour notre direction. Regarde, nous continuons la lecture. Et on dit, verset 6, Abraham prit de bois pour l'Holocauste et les chargea sur son fils Isaac. Il était sérieux, hein, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, il dit, mon père. Vous entendez cela, non? Avec autant de respect, considération. Et il répondit, Abraham répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est donc l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour... Non, cet homme aimait Dieu. Cet homme avait vraiment foi en Dieu. C'est écrit pour notre instruction. Pour ne pas trouver d'inscrit, Seigneur, vous ne pouvez pas nous étudier. Là, Abraham, je lui ai demandé son unique, l'enfant qu'il aimait tant, qui veut que je dise, viens me l'offrir en holocauste pour le tuer. Il est parti sans rechigner, sans commencer à pouvoir faire des crises. Ah, je vais perdre mon enfant, je vais perdre ceci. Non, il dit, mais si Dieu le demande, c'est que Dieu sait pourquoi. Et puis quand il monte avec son fils, il avait tellement confiance en Dieu, parce qu'il se souvenait de ce que Dieu lui avait dit dans sa parole. Il dit que mon fils, Dieu lui-même, il va se pourvoir de l'Holocauste. Il savait ce qu'il disait. Quand il disait cela, il disait avec sincérité que Dieu va trouver l'Holocauste. Dieu va s'en occuper. Maintenant, regardez bien. La Bible dit, non, non, non. Et ils marchèrent, verset 8, et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Quelle obéissance. Quelle obéissance. Je ne sais pas comment il va pouvoir exprimer cela, mais mon frère et ma soeur, il faut que l'on soit juste nous-mêmes dans notre intérieur. Parce que quand nous sommes doubles, nous nous tuons nous-mêmes. Ou soit on est un croyant, un fils de Dieu, ou soit on est un fils du malin. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Ce n'est pas possible. C'est l'esprit, en fait, de Laodicée. Vous vous souvenez, parce que vous oubliez souvent, je vous ai dit, c'est nous qui faisons l'histoire de la, pas les autres, mais nous, nous faisons l'histoire de Laodicée. Et les influences des esprits qui sont dans Laodicée, nous en subissons aussi. Maintenant, c'est à nous de savoir de quel côté nous. Vous avez souvent entendu ça, non? Bien sûr.
Parce que les choses deviennent tellement corsées. Quelle position allez-vous prendre? Parce que ce qui touche là, ça va vous toucher aussi. Ainsi de suite. C'est vraiment absolument important. Maintenant, regardez-vous, examinez-vous. Parce que dans la Odyssée, on chante Dieu, on aime Dieu, mais quand il s'agit de mettre la parole de Dieu à sa place, Jésus doit être dehors. Vous chantez Dieu, vous aimez Dieu, mais quand les choses arrivent à vous, pour mettre la parole de Dieu en pratique pour la chose, vous ne voulez plus. Vous commencez à trouver des explications, et ceci et cela. En fait, vous voyez la nature que vous avez. On va encore aller un peu plus loin. Vous comprenez cela. J'y arrive aussi, Dieu le permet. Mais je vais m'arrêter ici. Je pense que peut-être les Hébreux, non, je ne sais pas encore, mais c'est nécessaire et important. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on s'examine au plus profond de soi-même. Parce que ça nous amène souvent à considérer vraiment, il faut vraiment qu'il y ait une nouvelle naissance, un changement véritable. Sans ça, sœur, c'est vrai que vous n'aimez pas venir à l'assemblée parce que vous avez des problèmes, vous dites cela, et vous voulez trouver des solutions à l'extérieur. Les extérieurs pourront vous donner des solutions, il n'y a pas de problème. Mais vous connaissez quand même, si vous mourrez, jamais Dieu pourra vous prendre à sa présence. Parce que vous êtes mort dans des conditions qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Vous allez hériter tout ça. Je peux même vous donner le royaume de la Belgique tout entier, tous les trains, tous les trams, tout ce que vous avez, tout ça, vous allez les avoir, tout ça. On ne va pas même pas vous enterrer dans les trams, parce que de toute façon. Nous plaçons les choses ignobles, inutiles, plus que. Et vous vous trouvez, quand vous vous asseyez ici, vous vous trouvez ça ennuyant. Quelle est la place que vous trouvez pour vous sentir bien chez vous? Avec un petit verre de bière, avec une petite musique, effectivement, qu'on vous trompe en disant que c'est de Dieu, c'est la musique du monde, effectivement, avec tout ce que vous le savez quand même, parce que ça vous fait du bien. Vous l'entendez, de toute façon, on ne peut pas vous dire que ce n'est pas vrai. Vous l'entendez, regardez-vous dans vos vidéos, Facebook, vos choses, vous êtes là, quand vous vous regardez comme jolie, comme la plus belle de tout ça. Mais maintenant, regardez, toi, tu te vois la plus belle, l'autre, se voit la plus belle. Mais qui est la plus belle alors? Parce que c'est absurde. Hein? Je vous prends du temps? Non! On va terminer avec Abraham. Vous l'aimez aussi, non? Amen. Le père de la foi. Alors il répondit, Abraham répondit, mon fils, Dieu, verset 8, se pourra lui-même de l'Holocauste, pour l'Holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, rangea le bois. Il y a son fils Isaac, il y a. Entendez bien ce que nous avons entendu, hein? Et qui est élevé sur l'autel par-dessus le bois. Avez-vous remarqué Isaac? Papa! Non, attends, tu m'avais dit tout à l'heure que Dieu c'est pour moi de l'Holocauste, papa. Et moi je suis ton fils, hein? Je suis Isaac, regarde-moi bien, tu papa. Au secours! Avez-vous entendu cela? Non. Mon frère et ma soeur, honore ton père et ta mère. Même si ton papa devient fou, Dieu nous épargne. Même si ton papa devient malade, le respect pour ton père, pour ta mère. Ne soyez pas fâché. Hein? C'est pas moi qui dis cela. C'est la Bible, frère. Oui, monsieur, oui, madame. Cette parole-là s'accompagne d'une promesse. Ne méprisez pas votre père, ni votre mère. Peu importe, comme je disais à notre soeur, même si maman disait, oui, toi, tu n'écoutes pas, pas possible. Non, maman, j'ai quand même dépassé la majorité. Hein. Mais souvent, tu dis à ta maman que tu as dépassé la majorité. Cette majorité-là, tu ne dépasseras jamais la majorité de ta maman, parce que elle est mon âge, toi tu ne pourras jamais atteindre l'âge de ta maman. Est-ce que vous comprenez? Toi tu seras toujours fils de ta mère et fils de ton père parce qu'ils seront toujours âgés. Donc le respect n'a pas dit qu'il est respect à la majorité. Hein. Mais non, maman, je suis vacciné. Vacciné par quoi? Contre quoi? Enfin bon.
Non, je veux dire que, ça veut dire que si l'enfant dit vacciné, ça veut dire qu'il se sent indépendant et libre. Et indépendant et libre de qui? Parce que je vous l'ai dit l'autre fois. Vous me donnez du temps? Amen. J'ai dit, l'autre fois, vous savez, j'ai dit, mais regardez, tu peux avoir même 50 ans. On te dira toujours quand on va te demander, fils de qui? Et bien sûr, dans les documents que vous remplissez. Hein, tu dis, hein, je donne un exemple, je vais prendre ici, bon, Moutaramouel. Bon. Et tu as 50 ans. Et puis, dans la zone, il dit, fils de qui? Parce que fils de qui et de qui? Tu ne peux pas dire, je suis fils de moi-même, hein, je suis ma société. Et non, mais certainement fils. Mais ce qu'on va savoir, c'est pour que tu saches effectivement que tu viens de quelqu'un. Et jamais tu ne dépasseras cette personne-là. C'est ton père et ta mère. Donc, tu lui dois du respect. Tous les jours de ta vie. En plus, tu peux pas dire, oh, parce que je connais le Seigneur m'a délivré de ma vie, je n'ai plus de... Mais si le Seigneur t'a délivré de Saint-Esprit, là, il va t'amener à te respecter les Saintes Écritures. Ah oui, je n'ai pas vu l'Esprit de Dieu qui vient te mettre dans la révolution pour dire que non, je ne peux pas... Comme si on... Bref, je ne vais pas rentrer dedans. Donc, c'est dire que vous comprenez ce que je veux dire. Dit qu'en fait, l'obéissance, peu importe, même si tu as atteint un âge, mais ta maman, même si elle est braga, 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 reste quand même. Mais à ce moment-là, on doit aussi apprendre aussi à maman. Parce que maman, il faut quand même respecter quand même les enfants. Parce qu'il n'y a pas une maman ou un papa qui ont toujours insulté. Toi, et là, quand même, si c'est 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, et toi, tu continues à voir l'insulter quand même. Alors, il faut qu'on impose les mains à la maman. Qu'elle retourne aussi dans sa position. Même si on doit lui imposer la main, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas le respecter. On s'occupe de pouvoir faire en sorte que les démons s'en aillent, mais toi, le respect reste toujours. C'est ma mère, c'est mon père, même s'il y a des langages déplacés, c'est quand même parce que moi, mon problème, je dis, comme je disais toujours, en fait, pouvoir lier quand même ensemble, c'est la famille. Comme quand la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Il ne faut pas attendre que le mari puisse continuer à pouvoir quand même te chanter les balades pour se soumettre à lui. Ça, vous avez interprété la parole. Moi, mon problème à moi, c'est que Dieu, si tu es femme, le problème, c'est quoi? C'est que moi, Dieu m'a dit que je dois me soumettre, qu'il m'insulte, qu'il crie sur moi, qu'il fasse ce qu'il a envie de pouvoir faire. Et vous m'entendez très bien? Amen. Moi, je me soumets. Ah oui. Et puis, la Bible dit que Sarah aimait tellement Abraham qu'il l'appelait le même Seigneur. C'était qui, non? Alors, toi, eh oui, mon frère, c'est là le problème. Que Dieu te bénisse, ma chérie. Oui, c'est là le problème. Que tu vois Sarah dit, mais vous êtes sorti de Sarah parce que Dieu vous était là. C'est écrit, où c'est écrit comme cela? Qui appelle son mari, mon Seigneur. C'est-à-dire qu'il honore, il respecte. Et vous? Vous? Que le mari monte un peu. Qu'est-ce que tu vas dire? J'ai aussi un mot, parce que surtout aujourd'hui qu'on a fait la révolution des femmes, on ne peut même pas, même quand on parle de monsieur, là, il est moyen-âgeux. Moi, je suis moyen-âgeux, pas de problème. Mais vous comprenez? Donc, c'est en fait la manière de pouvoir comprendre. Pourquoi cela? Quand vous mettez la parole de Dieu en pratique, vous brisez même l'homme. Et vous verrez que cet homme-là, que vous voulez qu'il soit, il s'agenouillera devant vous. Parce qu'avec une telle douceur, il vous parle, il vous crie, il vous répondez avec respect. Et vous lui montrez effectivement qu'il est vraiment... Vous allez voir, il va s'agenouiller. Vous allez lui demander tout ce que vous voulez, il va le faire. Parce que la parole de Dieu a la puissance. Et vous pensez que, bon, s'il dit, moi j'ai dit, s'il dit, moi j'ai dit, il dit, mais ce sera simplement un divorce et puis des révoltes, et puis il était. Et puis bon, vous êtes divorcé. Bon, après, nous, vous êtes divorcé. Et tu vas faire quoi? Tu vas chercher Madame Moutaramouel? Ah, là-bas. Je ne sais pas pourquoi ce nom-là me revient. Enfin, ben, tu vas aller chercher. Oh, vous savez comment c'est fait? Je ne rentre pas là-dedans, mais je regarde ça. Vous me permettez? Vous savez comment ça se passe là? C'est toujours des hommes là qui sont pas de ma tribu. Ils tournent toujours là. Et puis toi, tu dis, ah, ils m'aiment. Et puis bon, tu vas casser ton mariage. Ils ont monté. Non, parce que c'est comme ça qu'ils ont. Ils ont déjà un plan là-bas derrière. Il devait irrespectueux à la base de son mari, effectivement. Il pense que le monsieur, là, va faire son bonheur. Eh bien, casse. Va casser, maintenant va. Parce que regardez très bien. Si déjà avec ton premier mari, tu ne l'as pas respecté, tu as fait la révolte, tu as fait tout ça avec le second, je ne sais même pas comment il est d'abord. Lui, il a peut-être cassé les verres là-bas.
vous retrouver ensemble. Mais il faut coller le morceau. Mais ça va, et ça va exploser là-bas. Et puis tu vas sortir là. Tu vas aller jusqu'où? Il faut. Nous avons besoin de Dieu. Dans notre vie. Nous terminons avec Abraham. Hein, et puis nous prions. Alors il dit, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu avait mis avant, il éleva l'autel, il dit, mais puis Abraham donc étendit la main. Et voilà, voilà. Et verset 9 dit, il rangea le bois, il y a son fils Isaac et les mit sur l'autel par-dessus le bois. Vous vous souvenez de la brebis? Que vous avez donc dans des témoignages, non, en Jamaïque. Et bien voilà qu'il y a son fils Isaac. Isaac n'a pas bougé. Vous comprenez? Ah oui. Il typifiait quelqu'un, non? Vous, souvenez, vous le savez, non? Parce que le fils à promesse véritable, c'était lui. Vous connaissez, non? Dans Galate, en Galate. Vous vous souvenez dans ça? Voilà. Alors qu'il dit, il y a son fils Isaac, il est mis sur l'autel par-dessus le bois. C'est pour que vous voyez qu'Abraham ne jouait pas les jeux. Il aimait tellement Dieu qu'il allait lui offrir tout ce qu'il avait de meilleur. Même dans sa nature normale. Ça veut dire que même dans sa c'est peut-être pas comme ça, mais même dans son état, quand il recevait, quand il a reçu en fait sur le sein de Mamré, il a pris toujours le meilleur. Tout ce que le meilleur là, c'est qu'il a donné. C'est comme ça que le Seigneur a tellement bien mangé. Puis vous vous souvenez, non? Bon, ok. Alors nous continuons. Il dit, il y a son fils Isaac, il est mis sur l'autel, par-dessus le bois. Et puis Abraham étendit la main et prit le couteau. Pourquoi faire? Pour égorger son propre fils. Donc, pour la cause de Dieu, pour l'amour de Dieu, frères et sœurs, Abraham était vraiment décidé pour faire ce que Dieu voulait. Offrir son propre fils. Il a pris les couteaux, comme on égorge effectivement. Égorger, ça veut dire quoi? Non, parce que, non, égorger, c'est que tu prends le couteau, tu mets ici, tu commences à couper. Vous suivez? Vous suivez, non? On coupe, hein, puis les sangs commencent à pouvoir chicler, jusqu'à ce que les sangs sortent. Et c'est comme cela qu'il voulait faire à son fils Isaac. Isaac a vu le couteau, même allongé sous le bois. Que Dieu bénisse Isaac. Ah non, 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 non. Il n'a même pas bougé. Il n'a même pas essayé de pouvoir fuir en se roulant par terre. Nous, il est resté sur le bois. Non, que Dieu soit béni. Et c'est merveilleux ça. Et le papa prend le couteau, l'enfant a tellement une confiance à son père. C'est pour ça, frères et sœurs, honorez vos parents. Respectez-les, même s'ils sont vieux, ils sont devenus même hystériques et amnésiques. Oui, ça ne vous arrange pas, ça ne vous plaît pas, mais c'est la parole de Dieu. Alors, éduquons nos enfants à ne jamais se révolter contre leur père et leur mère. Est-ce que vous m'entendez? C'est ce que la Bible dit. Parce que si nous sommes des croyants, des chrétiens, des fils de Dieu, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Et puis les parents aussi doivent aussi respecter aussi et considérer aussi leurs enfants. C'est écrit dans Pierre, non? Parents, donc, n'irritez pas vos enfants. C'est écrit dans la Bible. C'est dans la Bible. Là. La position des parents aussi, etc. Bon, bref. Alors, il prit donc le couteau pour égorger son fils. Il était vraiment décidé de pouvoir le faire. Verset 11. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela de cieux. Si l'ange ne l'avait pas appelé, si l'ange ne l'avait pas appelé, Abraham allait égorger. Parce que pendant qu'Abraham faisait tout ça, il pensait que Dieu ne regardait même pas. Mais en fait, les yeux de Dieu étaient sur lui. Dieu regardait jusqu'à quel point Abraham l'aimait et considérait effectivement que la parole de Dieu avait l'impact dans sa propre vie. Observez. C'est pour ça qu'on l'observait très bien. Et on va aller voir si vraiment il allait jusqu'à poser l'acte sur l'enfant. C'est-à-dire ôter la vie à l'enfant. On l'a observé, il a parlé, on l'observait toujours, il a dit à l'enfant demain, il a lié l'enfant, on l'observait toujours, on n'a pas parlé. Mais au moment où il a commencé, parce qu'on a senti la détermination en lui,
de pouvoir égorger l'enfant. C'est à ce moment-là que l'ange, avec un cri, il dit, venez, il a parlé de Dieu, il dit, Abraham! Il appelle encore deux fois, Abraham! Et il répondit, Dieu est bon. Amen. Donc il avait son couteau. Il voulait dire, Abraham! Abraham! Deux fois pour qu'il puisse alors comprendre, c'était un ordre. Il dit, Abraham, il dit, mais voici! Avec son couteau à la main. Hein. L'ange, il dit, n'avance pas ta main! Alléluia! Oui, monsieur, parce qu'il avait, il allait avancer à cause de l'amour qu'il avait pour Dieu. De la parole de Dieu. Frère, vous n'aimez pas Dieu. Vous n'aimez pas la parole de Dieu. Quand on vous reprend toujours l'explication, dit, n'avance pas, dit, mais n'avance pas, dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc c'était l'épreuve que Dieu faisait passer Abraham. Oui, Dieu ne cherchait pas à pouvoir tuer Isaac. Dieu ne peut pas dire une parole et puis changer sa parole. Et Abraham avait raison de pouvoir avoir confiance en Dieu et dire qu'effectivement que moi et l'enfant, nous reviendrons. Et maintenant, regardez bien, ici il dit, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par leurs cornes. Il avait dit, Dieu se pourvoira de lui-même de... Et bien Dieu l'a accompli. Mon frère et ma soeur, je ne sais pas, mais je pense que c'est ce que Dieu a voulu pour toi et moi, que nous entendons cette parole. C'est la parole du jugement. Si vous sortez de cet endroit et vous gardez la même chose dans votre cœur, le jugement est pour vous. Moi, je suis libre du sang de chacun de vous. Que le Seigneur nous aide. Amen. Afin que nous puissions être droits dans notre cœur. Dans tout ce que nous allons poser comme acte, effectivement, à l'endroit d'un frère ou d'une sœur. Et que nous comprenons que ce qui prime, ce ne sont pas nos intérêts. Ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme... Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, je me tiens devant ton trône de grâce et de miséricorde pour te dire encore merci. Père, tu le sais au plus profond de mon cœur. Je n'ai pas pensé à ces choses, mon roi. Elles ne me sont même pas passées par l'esprit, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Mais c'est toi qui as eu à pouvoir aujourd'hui nous diriger dans tout cela, Père. Parce que tu connaissais réellement ton peuple, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Le pensée, oh Dieu de chacun de mon bien-aimé Père Saint-Dieu, tu savais et tu sais, mon bien-aimé Père Tébissant, ce qui nous tracassait, bien-aimé Père Dieu, mais tu es venu aussi pour pouvoir nous libérer, Père. Ta parole nous dit que tu es venu pour libérer les captifs, et tu le fais d'une manière tout à fait particulière, mon roi. Je te remercie. Délivre nos enfants, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh, délivre les personnes, nos jeunes enfants, nos jeunes filles, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, de toute cette prostitution dans ce monde, bien-aimé Père Saint-Dieu, et de ces choses si immondes, qui détruisent même, Père Saint-Dieu, leur témoignage, mon bien-aimé Père. Puisses-tu vraiment nous assister encore en ce temps. Je te demande grâce, mon roi. Aide-nous aussi en tant que parents à pouvoir agir de la manière la plus juste, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Puisses-tu encore nous assister, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est vrai, Seigneur, tu es venu nous apporter cette parole, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Il est un jugement, parce que tu as dit que les jugements commencent dans la maison de l'Éternel. Je t'en supplie. Je t'implore la grâce, mon Seigneur. Bénis ton peuple, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Soutiens. Je reviens à toi aussi, Père Dieu, et t'implore la grâce, mon Seigneur. Tu es réellement Dieu, mon roi. Tu es réellement mon roi, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Pardonne-moi, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Tu es vraiment notre Seigneur. Oh Dieu, nous avons failli dans notre jugement. Nous avons failli dans notre façon de pouvoir voir les choses, mon roi. Et nous croyons en toi aujourd'hui, mon Sauveur. Nous avons besoin de toi. Mais c'est parce que tu nous aimes, Seigneur. C'est parce que tu nous aimes, mon roi, que tu nous parles ainsi, mon bénémoine Père Dieu, pour que
ne puissions pas être des gens qui seront surpris, Père. Oh, aide-nous, Père Saint-Dieu, de promouvoir la vie d'Abraham. Oh Dieu, nous te remercions, mon bénévole Père, parce que tu nous as donné un témoignage tellement si puissant, mon bénévole Père Dieu. Nous démontrant que même un homme, mon bénévole Père Dieu, est capable de vraiment croire en toi et tu as testé Abraham. Tu as éprouvé, bénévole Père Saint-Dieu, pour voir effectivement si cet homme allait se souvenir de ce que toi tu es, mon bénévole Père Saint-Dieu. Oh Jésus-Christ, mon roi, je te demande pardon, mon sauveur, aide-nous. Je t'en supplie, mon roi. Viens-nous en aide, mon bénévole Père Saint-Dieu, et soutiens. Que ta parole est la prééminence dans toutes choses, mon roi. Non pas ce que nous voulons, non pas ce que je veux, non pas ce que je pense, mon bénévole Père Saint-Dieu. Mais simplement ta parole à toi, mon bénévole Père Dieu. Ton œuvre à toi pour ton peuple, mon bénévole Père Saint-Dieu. Oui, tu es unique, mon bénévole Père Saint-Dieu. Dieu est merveilleux, mon bénévole Père Dieu. Et nous croyons en toi. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour tes compassions. Merci pour ta grandeur, mon roi. Tu es venu pour libérer les captifs, Seigneur. Oh, Jésus-Christ, mon roi. Tu es celui qui fait l'œuvre, mon bénévole Père Saint-Dieu. Soutiens-nous et libère ceux qui sont en toi, mon bénévole Père Saint-Dieu. Parce qu'aucun démon, aucun esprit impur ne peut avoir la domination, mon bénévole Père Saint-Dieu. Sous les ailes de tes mains, mon bénévole Père Tibissant. Louange et honneur à toi. Je te demande grâce, mon bénévole Père Tibissant. Ta parole, elle est puissante, mon roi. Je prie pour mon frère Amador, mon bénévole Père Saint-Dieu. Demande la grâce, mon bénévole Père Saint-Dieu. Parce qu'il a besoin de toi pour être un moment libre, mon bénévole Père Saint-Dieu. Et son âme, bénévole Père Saint-Dieu, libérée par toi. Et qu'il soit totalement délivré. Mon Père Dieu, sa femme, ses enfants, bénémoine Père Dieu, et sa maison tout entière, mon bénémoine. Que mon frère Amado, mon Père, soit béni, mon bénémoine Père Tibissant, aussi délivré, Père Dieu, et prenant part, Père Tibissant, ce que toi tu fais, bénémoine Père Tibissant. J'implore ta grâce, mon bénémoine Père Dieu, pour mes frères et pour mes soeurs, partout où ils se trouvent encore aujourd'hui. Je te supplie, mon bénémoine Père Dieu, de les protéger, Père. Souviens-toi de mon frère Christian, souviens-toi de son épouse, bénémoine Père Saint-Dieu, de les garder et protéger, bénémoine Père Saint-Dieu. Chaque frère et chaque soeur, mon bénémoine Père Dieu, mon frère, qu'est-ce qu'un. Oh Dieu, tous mes frères, toutes mes sœurs, bénémoine Père Dieu, là où ils sont, mon bénémoine Père Saint-Dieu, partout où ils se trouvent, bénémoine Père Saint-Dieu. Dieu est réellement le Dieu qui agit aussi pour nous, Père. L'Éternel combattra pour nous, Seigneur. Tu combats, Seigneur. Libère mon frère, libère ma sœur, enseignée, bénémoine Père Saint-Dieu, et ceux qui sont aussi en connexion. Les jeunes frères, les jeunes sœurs, bénémoine Père Tibissant, qu'ils soient délivrés, mon bénémoine Père Dieu, qu'ils soient vraiment libérés, mon bénémoine Père Tibissant, pour te servir toi et pas servir le monde, mon bénémoine Père Tibissant. Nous levons, nous sommes pas redevables à la chair, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous te sommes redevables à toi, mon bénémoine. Oui, Père, je t'en supplie, mon roi. Pardonne, mon bénémoine Père. Merci. Je t'en supplie. Merci pour ta bonté, mon bénémoine Père. Gloire à toi. Honneur à toi. Pardonne-nous, Père. Pardonne-moi, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Soutiens ton peuple, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous sommes un peuple qui t'appartient. Nous demandons la grâce, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous nous repentons devant ton trône de grâce, mon bénémoine. Nous te supplions, Seigneur, d'agir. Oh Jésus-Christ, mon roi, tu es capable de pouvoir changer les âmes, mon bénémoine Père Saint-Dieu, de nous aider, mon bénémoine Père Tibissant, nous accorder cette grâce, mon bénémoine Père Tibissant, ce privilège, mon bénémoine Père Dieu. Merci pour tout. Aide mon frère, aide ma soeur, aide nos enfants, Père Saint-Dieu, que les mots ne les emportent pas, Seigneur Jésus. Oh Dieu, que ces instruments comme des téléphones, ils en soient aussi délivrés, mon bénémoine Père Tibissant, utilisant un bon escient pour les choses qui sont normales. Seigneur, libère nos enfants, mon bénémoine Père Saint-Dieu, à cause de ton Saint-Nom. Je t'en supplie, mon bénémoine Père. Tu es capable de pouvoir le faire. Et tu le fais, Seigneur, parce que le monde les attire. Il n'y a rien de bon dans ce monde, mon bénémoine Père Tibissant. Ils peuvent posséder des biens, des maisons, même les beautés, tout ce qu'il y a, Père Tibissant, Dieu. Mais un jour, ils devront tous abandonner, Seigneur. Je t'en supplie, mon roi. Oh Dieu, ramène-nous. Ramène-nous encore, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Ah, vers toi, mon bénémoine Seigneur. Oh, pardonne-moi aussi, Père. Je te demande grâce, mon sauveur. Louange à toi. Aide-nous, Père Dieu. Oh, que nous soyons comme ces hommes, comme Abraham, Père Saint-Dieu. Oh, Jésus-Christ, mon roi. Tu es réellement notre Dieu. Merci. Merci, sauveur. Tu es Dieu. Souviens-toi de mon frère. Souviens-toi de ma soeur. Oh, ramène-nous encore. Comme au jour d'autrefois, mon bénévole Père Saint-Dieu. Oh Dieu, voici ton peuple est en proie aux maladies.
ton peuple dans la paix du Père au démon, Père Saint-Dieu. Qu'il en soit délivré, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Reviens simplement dans les camps, mon bien-aimé Père Dieu. Et combien nous nous réjouirons encore de pouvoir te voir à l'œuvre, Père Dieu. Dans leurs soucis, dans les problèmes, Père Tibissant, qui est la solution à tout, mon bien-aimé Père. Ils reviennent à toi. Nous voulons revenir à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et nos problèmes s'arrangeront, mon bien-aimé Père Tibissant-Dieu. Nous aurons leur solution, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous avons essayé de pouvoir faire nous-mêmes. Nous avons échoué, Seigneur. Mais nous voulons revenir à toi, mon maître béni Père Dieu. Nous voulons donner à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Afin que ta parole à toi ait la prééminence, mon roi. Nous voulons pas donner droit à Satan. Nous voulons donner droit à toi, mon bien-aimé Père Dieu. Nous voulons pas te mettre dehors comme l'Odyssée l'a fait. Mais nous voulons revenir à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Juge-nous, Père Saint-Dieu. Parle-nous, mon bien-aimé Père Tibissant. Nous abandonne pas, mon bien-aimé Père Dieu. Là où nous manquons, que tu nous montres, bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous voulons réformer nos voies. Nous voulons réformer notre marche, bien-aimé Père Saint-Dieu. Que ton nom soit exalté. Toi, le Yahvé Jireh. Tu es le Dieu qui pourvoit, bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu l'as fait pour Abraham, qui croyait en toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et qui avait la foi. Et qui est maintenu maintenant de la foi. Fais les mêmes pour mes frères et sœurs. Dans leur maison, à chaque endroit où ils sont. Je pense à ton peuple, mon bien-aimé Père Tibissant. Souviens-toi de ma sœur Brice, Père Tibissant, Libreville, mon bien-aimé. Souviens-toi de notre sœur, bien-aimé Père Tibissant. À cause de ce nom, mon roi, libère les captifs, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci parce que tu es vraiment Dieu. Oh, Père Saint, ramène-nous encore, mon roi. Oh, Jésus. Merci. Merci. Merci, mon roi. Merci. Merci, mon sauveur. Que tu nous aides, oh oui, Père. Tu as touché nos cœurs, mon roi. À chacun de nous, Père Dieu. Mon cœur aussi est touché. Chacun de nous, Père Dieu. Tu nous ramènes, Père Saint-Dieu, à considérer. Amen. Amen, mon Père Saint-Dieu. Oh, je t'en supplie, mon roi. Tu nous ramènes dans les conditions justes. Tu nous ramènes, Père Saint-Dieu, dans la position juste de ta parole. Je te demande grâce. Oh, Jésus. Sois le maître, mon roi. Nous voulons considérer. Oui, Père. Merci. Lave-nous, mon bien-aimé Seigneur Jésus. Nous voulons être un peuple qui te sert dans tous les domaines, mon roi, avec nos enfants, comme Josué a dit. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je t'en supplie, mon roi. Aide-nous, Père Saint-Dieu. Nous prions pour ceux-là que nous aimons. Partout où ils se trouvent, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, que tu le gardes, que tu le ramènes, Père Saint-Dieu, et que tout puisse en voir, Père Saint-Dieu, la prééminence, mon roi. Viens nous aider, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Secours-nous, Père Dieu, et protège-nous encore davantage, mon roi. Nous voulons que le monde soit tenu à l'extérieur et loin, Père Saint-Dieu, et que ta bénédiction soit sur ton peuple, Père. Merci. Merci. Oui. C'est pour ça que nous voulons nous accrocher à toi. Nous ne voulons plus murmurer, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous ne voulons plus nous plaindre des douleurs que nous avons, des épreuves par lesquelles nous passons. Mais nous voulons vraiment, Père. Bénis mon précieux frère Julia. Soutiens-le, Père. Merci pour tout, Père. Merci pour tout. Je t'en supplie. Aide-le, mon bien-aimé Père. Aide-moi aussi. Aide chacun de nous. Nous sommes concernés. Nous nous sommes sentis concernés, Père. Nous t'en supplions, Père. Je t'implore la grâce, Jésus. Oui, prends vraiment, oui. Oui, Père, aie pitié de moi aussi, mon sauveur. Oui, Père, je t'en supplie, mon roi, que tu puisses pardonner, mon sauveur. Nous donne la grâce, mon bien-aimé Père Dieu, que tu nous aides. Oh, Jésus-Christ, mon roi, que tu brises tout ce qui est comme dureté de cœur. Amen, amen. Que tu brises, Père Saint-Dieu, ce qui est dur dans chacun de nos Père Dieu, ce qui est mauvais de nos Père Saint-Dieu. Oui, Père Saint-Dieu, c'est pour ça que nous revenons à toi. Merci, Seigneur, mon Dieu. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, mon roi. Oui, te célébrera. Alléluia. Merci, mon sauveur. Nous approchons vraiment de toi. En te demandant grâce. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mon Seigneur. Nous sommes là à toi. Oui, Père, merci. Gloire à toi. Je t'en supplie. Oui, Père, pour chacun. Oh, Dieu du ciel, puisses-tu nous aider. Merci. Oui, Père. Nous te demandons grâce. Oui, Père. Merci. Pardonne-nous. Pardonne-nous encore, mon sauveur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu vas faire. Ce que tu es en train de pouvoir faire, mon Seigneur. C'est vrai, Père Dieu.
tes paroles sont vues. Mais nous revenons à toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Bénis mon frère. Te vois tous, Jésus. Je t'en supplie. Nous sommes ton peuple. Aide-nous, mon Père. Pardonne-nous, mon Dieu, mon Père. Pardonne-nous, Père. Aide-nous, Père. C'est vrai. Oh, je me répands devant ton trône de grâce. Je me répands, mon Sauveur. Pardonne, mon Sauveur béni. Que tu nous pardonnes, mon Sauveur, Dieu. Oui, Père Dieu. C'est vrai. Sauveur-toi. Aie pitié, miséricorde et sondage. Je t'en supplie. Nous avons besoin de toi. Si tu as parlé, c'est parce que tu veux aussi agir aussi. Oh Dieu, pour nous, mon Sauveur. Regarde notre cœur aujourd'hui. Touché et brisé, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh Dieu, nous nous repentons devant ton trône de grâce, mon roi. Nous reconnaissons, Père Saint-Dieu, nos fautes et nos erreurs. Je reconnais le mien, mon bien-aimé Père Dieu. Je te demande grâce, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, tu es le Dieu qui entend. Nous te supplions, mon roi. Nous avons volé, nous avons fait des choses qui ne valaient pas, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Que tu pardonnes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous revenons à toi. Je reviens à toi, mon Sauveur. Oh Dieu, puisses-tu vraiment avoir pitié, Seigneur. Oh Dieu, ne regarde pas nos manquements, Seigneur. Nous revenons à toi. Nous avons failli. Moi, j'ai failli, mon roi. Je te demande grâce, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et qu'en quittant cet endroit, Père Dieu, que les sentiments soient changés dans notre cœur, Père Saint-Dieu, à l'endroit de notre frère, notre soeur, nos enfants, nos petits-enfants, les enfants de mon frère, les enfants de ma soeur. Oh Jésus-Christ, mon roi, aide-nous à faire du bien aux autres, mon bien-aimé Père Tissant. Aide-nous à faire beaucoup de bien aussi aux autres, mon roi. Que les choses puissent changer, Seigneur Jésus. Nous avons pris cette décision aujourd'hui encore, mon roi. Pour que le lendemain, il n'y ait plus rien, Seigneur Jésus. Pour que le lendemain, il n'y ait plus quoi que ce soit, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Ne permets pas que les diables nous reviennent avec la souillure encore davantage, mon roi. Seigneur, tu es le Dieu qui prend le contrôle. Tu es le Dieu qui soutient. Tu es le Dieu qui fortifie encore davantage. Entre dans nos foyers, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Entre dans nos maisons, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, nettoie tout ce qui n'est pas ta gloire. Oh Dieu, tout ce que nous faisons qui n'est pas bien, je t'en supplie. Nettoie, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Que la gloire te revienne, mon bien-aimé Père. Je t'en supplie, mon roi. J'implore ta grâce, mon bien-aimé Seigneur. Oh, pardonne-nous encore nos péchés et nos manquements. Tu es le Dieu qui parle et qui agit aussi, Père. J'implore ta grâce, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, nous ne cherchons rien d'autre, Père Tissant. Nous n'avons pas besoin de la gloire qui vient des hommes. Nous n'avons pas besoin de la richesse qui vient des hommes, mon bien-aimé Père Tissant. Nous n'avons besoin que de toi, mon bien-aimé Seigneur, oh Dieu. C'est toi qui contrôle et qui soutient, Père Dieu. Souviens-toi de mon frère Casquin, que tu le protèges, mon bien-aimé Père Dieu. Souviens-toi de Christian. Souviens-toi de ma soeur, Père Tissant, oh Dieu. Souviens-toi de tout ton Père Saint-Dieu, Dieu. Ceux qui sont à l'étranger, partout ils sont, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, mon frère Marcelin. Oh, béni soit ton Saint-Nom pour chaque frère, mon roi. Tu connais dans notre cœur, Père Tubissant, ma soeur Jacqueline là-bas. Je t'en supplie, Père. Tu connais chacun d'eux. Père, notre bien-aimé soeur qui sont là-bas au Canada, partout, en Espagne, partout, mon bien-aimé Père Tubissant, Dieu, en France, Père Saint-Dieu, dans chaque lieu, dans chaque endroit. Tu connais ton peuple, mon sauveur béni, Père Dieu. Que ce soit aux États-Unis, partout, Père Saint-Dieu, là-bas, Myanmar, personne. Tu connais ton peuple en Afrique, à Abidjan, partout, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, ma soeur Mélanie. Tu es Dieu, mon roi, souviens-toi. Oh Dieu, mon frère Thomas, Seigneur, je te demande grâce, mon roi. Ton peuple est à toi, attaché à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous voulons vraiment revenir, Père Dieu. Oh, que tu nous aides encore davantage, mon roi. Nous avons vraiment besoin de toi. Nos cœurs ont été touchés, mon bien-aimé Père. Nous réalisons combien nous avons vraiment besoin d'être purifiés. Purifiés, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et sanctifiés, Père Saint-Dieu, et remplis, Père. Nos enfants, Père Tubisson, qui te chantent, qui sont à la chorale, nos jeunes sœurs, nos jeunes frères, Père Tubisson, Dieu, qui sont là à ton service, mon Père, puisses-tu vraiment pardonner et vraiment purifier, sanctifier dans les habitudes, dans l'habillement, dans tout, Seigneur. Parce que ce sont tes enfants, toi, qui te servent, mon roi, qui sont aussi un témoignage pour beaucoup, Seigneur, que beaucoup de choses changent, mon Père. Je t'en supplie. Merci pour ta bonté, Seigneur, oui. Merci encore pour ton amour et ta grâce à notre endroit. Nous avons besoin de toi. Merci. 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 Merci, Sauveur. Oh, Jésus, change notre façon. Je t'implore la grâce, moi. Oui, nettoie, mon Père, et récure encore. Merci. Pardonne-moi. Pardonne-nous, Père, et nous revenons à toi, mon Père. Seigneur, nous avons manqué, brisé ta parole, mon bien-aimé Père Tissant, et
Agis comme tu le voulais. Merci, Père. Souviens-toi de mon frère Joël là-bas, en Autriche, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Mes frères là-bas au Danemark. N'oublie pas ceux qui sont au Danemark, Père, qui sont aussi bénis et protégés. Ô Dieu, Père Tibissant, ô Dieu, en Finlande aussi, Père, partout. Seigneur Jésus, tout ton peuple, dans tous les endroits, en Angola, Père Saint-Dieu, au Congo, Père Saint-Dieu, et partout, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, dans toutes les régions, toutes les provinces, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, dans tous les pays, en Tanzanie, presque partout, Père, là où tu as permis que ta parole à toi soit aussi annoncée, prêchée. Oh, pour ce peuple qui est là, souviens-toi, mon frère, ma soeur, Père Saint-Dieu, tout ton peuple, à chaque endroit, à chaque lieu où il se trouve, Père, nous avons besoin de toi. Merci. Nous revenons parce que nous reconnaissons ce que nous sommes. Nous reconnaissons ta grandeur pour nos pères, ta miséricorde, c'est vrai. Tu uses de patience afin qu'aucun ne périsse et que tous reviennent à la repentance. C'est à cela que nous revenons aujourd'hui et aussi nous t'implorons cette grâce. Pardonne-nous, Père, que notre vie soit transformée, changée, Père, nos regards différents sur mon frère et sur ma soeur. Ta bénédiction et ta grâce soient accordées sur ton peuple. Nous nous sommes repentis, Père, de te demander la grâce de revenir et d'agir, Père Saint-Dieu, de prendre le contrôle de notre vie. Ô Dieu, dans tout mon détail, afin que nos sentiments soient toujours pour toi, 100%, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, et jamais égoïste, jamais nos intérêts en nous-mêmes, mais considérer ce que toi tu veux, Seigneur, ce que tu es, Père. Sois béni et sois glorifié. Nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La grâce coule de Golgotha.